Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mona Lisette. Aujourd'hui, je vais vous lire L'ingénue de Voltaire. L'ingénue, histoire véritable tirée des manuscrits du Pasquier Quesnel. Chapitre 1. Comment le prieur de Notre-Dame de la Montagne et Mademoiselle sa sœur rencontrèrent un Huron. Un jour, Saint Dunstan, Irlandais de nation et saint de profession, partit d'Irlande sur une petite montagne qui vogua vers les côtes de France et arriva par cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à bord, il donna la bénédiction à sa montagne, qui lui fit de profondes révérences et s'en retourna en Irlande par le même chemin qu'elle était venue. Dunstan fonda un petit prieuré dans ces quartiers-là et lui donna le nom de « prieuré de la montagne », qu'il porte encore, comme chacun le sait. En l'année 1689, le 15 juillet au soir, l'abbé de Kercabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne, se promenait sur le bord de la mer avec Mademoiselle de Kercabon, sa sœur, pour prendre le frais. Le prieur, déjà un peu sur l'âge, était un très bon ecclésiastique, aimé de ses voisins, après l'avoir été autrefois de ses voisines. Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c'est qu'il était le seul bénéficier du pays qu'on ne fût pas obligé de porter dans son lit quand il avait soupé avec ses confrères. Il savait assez honnêtement de théologie, et quand il était las de lire Saint-Augustin, il s'amusait avec Rabelais. Aussi, tout le monde disait du bien de lui. Mademoiselle de Kercabon, qui n'avait jamais été mariée, quoiqu'elle eût eu grande envie de l'être, conservait de la fraîcheur à l'âge de 45 ans. Son caractère était bon et sensible. Elle aimait le plaisir et était dévote. Le prieur disait à sa sœur, en regardant la mer, « Hélas, c'est ici que s'embarqua notre pauvre frère, avec notre chère belle-sœur, Madame de Kercabon, sa femme, sur la frégate Hirondelle en 1669, pour aller servir en Canada. S'il n'avait pas été tué, nous pourrions espérer le revoir encore. » « Croyez-vous, disait Mademoiselle de Kercabon, que notre belle-sœur ait été mangée par les Iroquois, comme on nous l'a dit ? Il est certain que, si elle n'avait pas été mangée, elle serait revenue au pays. Je la pleurerais toute ma vie. C'était une femme charmante. Et notre frère, qui avait beaucoup d'esprit, aurait fait assurément une grande fortune. » Comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir, ils virent entrer dans la baie de la Rance un petit bâtiment qui arrivaient avec la marée. C'étaient des Anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre sans regarder monsieur le prieur ni mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attention qu'on avait pour elle. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait qui s'élança d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons et se trouva vis-à-vis mademoiselle. Il lui fit signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nu-tête et nu-jambe, les pieds chaussés de petites sandales, le chef orné de longs cheveux en tresse, un petit pourpoint qui serrait une taille fine et dégagée, l'air martial et doux. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau des Barbades et dans l'autre, une espèce de bourse dans laquelle était un gobelet de très bons biscuits de mer. Il parlait français fort intelligemment. Il présenta de son eau des barbares à Mademoiselle de Kercabon et à monsieur son frère. Il en but avec eux. Il leur en fit reboire encore, et tout cela d'un air si simple et si naturel que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leur service en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme leur répondit qu'il n'en savait rien, qu'il était curieux, qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, qu'il était venu et allait s'en retourner. Monsieur le prieur, jugeant à son accent qu'il n'était pas anglais, prit la liberté de lui demander de quel pays il était. « Je suis Huron, » lui répondit le jeune homme. Mademoiselle de Kercabon, étonnée et enchantée de voir un Huron qui lui avait fait des politesses, pria le jeune homme à souper. Il ne se fit pas prier deux fois et tous trois allèrent de compagnie au prieuré de Notre-Dame de la Montagne. La courte et ronde demoiselle le regardait de ses tout petits yeux et disait de temps en temps au prieur «
Ce grand garçon-là a un teint de lys et de rose, qu'il a une belle peau pour un huron. » Vous avez raison, ma sœur, disait le prieur. Elle faisait sans question coup sur coup, et le voyageur répondait toujours fort juste. Le bruit se répandit bientôt qu'il y avait un huron au prieuré. La bonne compagnie du canton s'empressa d'y venir souper. L'abbé de Saint-Yves y vint avec mademoiselle sa sœur, jeune basse brette, fort jolie et très bien élevée. Le bailli, le receveur des tailles et leurs femmes furent du souper. On plaça l'étranger entre mademoiselle Kercabon et mademoiselle de Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admiration. Tout le monde lui parlait et l'interrogeait à la fois. Et le huron ne s'en émouvait pas. Il semblait qu'il eût pris pour sa devise celle de Milord Bolingbroke. « Nihil admirari ». Mais à la fin, excédé de tant de bruit, il leur dit avec assez de douceur, mais un peu de fermeté, « Messieurs, dans mon pays, on parle l'un après l'autre. Comment voulez-vous que je vous réponde quand vous m'empêchez de vous entendre ?» La raison fait toujours entrer les hommes en eux-mêmes pour quelques moments. Il se fit un grand silence. Monsieur le bailli, qui s'emparait toujours des étrangers dans quelque maison qu'il se trouva et qui était le plus grand questionneur de la province, lui dit, en ouvrant la bouche d'un demi-pied, « Monsieur, comment vous nommez-vous ? » « On m'a toujours appelé l'ingénu, » reprit le huron. « Et on m'a confirmé ce nom en Angleterre parce que je dis toujours naïvement ce que je pense, comme je fais ce que je veux. »« Comment, étant né huron, avez-vous pu, monsieur, venir en Angleterre ?»« C'est qu'on m'y a mené. J'ai été fait dans un combat prisonnier par les Anglais, après m'être assez bien défendu. » Et les Anglais, qui aiment la bravoure parce qu'ils sont braves et qu'ils sont aussi honnêtes que nous, m'ayant proposé de me rendre à mes parents ou de venir en Angleterre, j'acceptais le dernier parti parce que mon naturel, j'aime passionnément avoir du pays. « Mais, monsieur, dit le bailli avec son ton imposant, comment avez-vous pu abandonner ainsi père et mère ?»« C'est que je n'ai jamais connu ni père ni mère, dit l'étranger. » Oh, la compagnie s'attendrit et tout le monde répétait « Ni père, ni mère !»« Nous lui en servirons, » dit la maîtresse de la maison à son frère le prieur, « que ce monsieur le huron est intéressant. » L'ingénue la remercia avec une cordialité noble et fière et lui fit comprendre qu'il n'avait besoin de rien. « Je m'aperçois, monsieur l'ingénue, » dit le grave bailli, « que vous parlez mieux français qu'il n'appartient à un huron. » « Un français, » dit-il, que nous avions pris dans ma jeunesse en Huronie et pour qui je conçus beaucoup d'amitié, m'enseigna sa langue. J'apprends très vite ce que je veux apprendre. J'ai trouvé en arrivant à Plymouth un de vos Français réfugiés que vous appelez Huguenot. Je ne sais pourquoi. Il m'a fait faire quelques progrès dans la connaissance de votre langue et dès que j'ai pu m'exprimer intelligiblement, je suis venu voir votre pays parce que j'aime assez les Français quand ils ne font pas trop de questions. L'abbé de Saint-Yves, malgré ce petit avertissement, lui demanda laquelle des trois langues lui plaisait davantage, la huronne, l'anglaise ou la française. « La huronne, sans contredit, » répondit l'ingénu. « Est-il possible ? » s'écria mademoiselle de Kercabon. « J'avais toujours cru que le français était la plus belle langue de toutes les langues après le bas breton. » Alors ce fut à qui demanderait à l'ingénu comment on disait en huron du tabac, et il répondait « taïa ». Comment on disait « manger ». Il répondait « et centaine ». Mademoiselle de Kercabon voulut absolument savoir comment on disait « faire l'amour ». Et il lui répondit « trouvant d'air ». Et soutint, non sans apparence de raison, que ces mots-là valaient bien les mots français et anglais qui leur correspondaient. « Trouvant d'air » parut très joli à tous les convives. Monsieur le prieur, qui avait dans sa bibliothèque la grammaire huronne dont le révérend père Sagar Théoda récollait, fameux missionnaire, lui avait fait présent, sortit de table un moment pour l'aller consulter. Il revint tout haletant de tendresse et de joie. Il reconnut l'ingénu pour un vrai huron. On disputa un peu sur la multiplicité des langues et on convint que, sans l'aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé français. L'interrogant bailli, qui jusque-là s'était défié un peu du personnage, conçut pour lui un profond respect. Il lui parla avec plus de civilité qu'auparavant,
de quoi l'ingénu ne s'aperçut pas. Mademoiselle de Saint-Yves était fort curieuse de savoir comment on faisait l'amour au pays des Hurons. « En faisant de belles actions, répondit-il, pour plaire aux personnes qui vous ressemblent. » Tous les convives applaudirent avec étonnement. Mademoiselle de Saint-Yves rougit et fut fort aise. Mademoiselle de Kercabon rougit aussi, mais elle n'était pas si aise. Elle fut un peu piquée de la galanterie, que la galanterie ne s'adressa pas à elle, mais elle était si bonne personne que son affection pour le Huron n'en fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup de bonté, combien il avait eu de maîtresses en Huronie. « Je n'en ai jamais eu qu'une, » dit l'ingénu. « C'était mademoiselle Abakaba, la bonne amie de ma chère nourrice. Les joncs ne sont pas plus droits, l'hermine n'est pas plus blanche, les moutons sont moins doux, les aigles moins fiers et les cerfs ne sont pas si légers que l'était Abakaba. Elle poursuivait un jour un lièvre dans notre voisinage, environ à 50 lieues de notre habitation. Un algonquin mal élevé, qui habitait 100 lieues plus loin, vint lui prendre son lièvre. Je le sus, j'y courus, je terrassai l'algonquin d'un coup de massue, je l'amenai aux pieds de ma maîtresse, pieds et poings liés. Les parents d'Abakaba voulurent le manger, mais je n'eus jamais de goût pour ces sortes de festins. Je lui rendis sa liberté, j'en fis un ami. Abakaba fut si touchée de mon procédé qu'elle me préféra à tous ses amants. Elle m'aimerait encore si elle n'avait pas été mangée par un ours. J'ai puni l'ours, j'ai porté longtemps sa peau, mais cela ne m'a pas consolée. Mademoiselle de Saint-Yves, à ce récit, sentait un plaisir secret d'apprendre que l'ingénu n'avait eu qu'une maîtresse et qu'Abakaba n'était plus. Mais elle ne démêlait pas la cause de son plaisir. Tout le monde fixait les yeux sur l'ingénu. On le louait beaucoup d'avoir empêché ses camarades de manger un algonquin. L'impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer sa fureur de questionner, poussa enfin la curiosité jusqu'à s'informer de quelle religion était Monsieur le Huron. S'il avait choisi la religion anglicane, ou la gallicane, ou la huguenote. « Je suis de ma religion, dit-il, comme vous, de la vôtre ?»« Hélas !» s'écria la Kercabon, « je vois bien que ces malheureux Anglais n'ont pas seulement songé à le baptiser. »« Eh, mon Dieu !» disait Mademoiselle de Saint-Yves, « comment se peut-il que les Hurons ne soient pas catholiques ? Est-ce que les RRPP jésuites ne les ont pas tous convertis ?» L'ingénu l'assura que dans son pays, on ne convertissait personne, que jamais un vrai Huron n'avait changé d'opinion et que même il n'y avait point dans sa langue de terme qui signifiât « inconstance ». Ces derniers mots plurent extrêmement à Mademoiselle de Saint-Yves. « nous le baptiserons !» disait la Kercabon à Monsieur le prieur. « Vous en aurez l'honneur, mon cher frère. Je veux absolument être sa marraine. » Monsieur l'abbé de Saint-Yves le présentera sur les fonds, ce sera une cérémonie bien brillante. Il en sera parlé dans toute la Basse-Bretagne et cela nous fera un honneur infini. Toute la compagnie seconda la maîtresse de la maison, tous les convives criaient « Nous le baptiserons !» L'ingénieur répondit qu'en Angleterre, on laissait vivre les gens à leur fantaisie. Il témoigna que la proposition ne lui plaisait point du tout et que la loi des Hurons valait pour le moins la loi des Bas-Bretons. Enfin, il dit qu'il repartait le lendemain. On acheva de vider sa bouteille d'eau des Barbades et chacun s'alla coucher. Quand on eut reconduit l'ingénu dans sa chambre, Mademoiselle de Kercabon et son amie Mademoiselle de Saint-Yves ne purent se tenir de regarder par le trou d'une large serrure pour voir comment dormait un Huron. Elles virent qu'il avait étendu la couverture du lit sur le plancher et qu'il reposait dans la plus belle attitude du monde. Chapitre 2. Le Huron, nommé l'ingénu, reconnu de ses parents. L'ingénu, selon sa coutume, s'éveilla avec le soleil au chant du coq, qu'on appelle en Angleterre et en Huronie la trompette du jour. Il n'était pas comme la bonne compagnie qui languit dans un lit oiseux jusqu'à ce que le soleil ait fait la moitié de son tour, qui ne peut ni dormir ni se lever, qui perd tant d'heures précieuses dans cet état mitoyen entre la vie et la mort et qui se plaint encore que la vie est trop courte. Il avait déjà fait 2 ou 3 lieues, il avait déjà tué 30 pièces de gibier à balle seule, lorsqu'en rentrant, il trouva Monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sa discrète sœur se promenant en bonnet de nuit dans leur petit jardin. Il leur présenta toute sa chasse
et, en tirant de sa chemise une espèce de petit talisman qu'il portait toujours à son cou, il les pria de l'accepter en reconnaissance de leur bonne réception. « C'est ce que j'ai de plus précieux, leur dit-il. On m'a assuré que je serai toujours heureux tant que je porterai ce petit brimborion sur moi. Et je vous le donne afin que vous soyez toujours heureux. » Le prieur et mademoiselle sourirent avec attendrissement de la naïveté de l'ingénu. Ce présent consistait en deux petits portraits assez mal faits, attachés ensemble avec une courroie fort grasse. Mademoiselle de Kercabon lui demanda s'il y avait des peintres en Huronie. « Non, dit l'ingénu, cette rareté me vient de ma nourrice. Son mari l'avait eue par conquête en dépouillant quelques Français du Canada qui nous avaient fait la guerre. C'est tout ce que j'en ai su. » Le prieur regardait attentivement ses portraits. Il changea de couleur, il s'émut, ses mains tremblèrent. « Par Notre-Dame de la Montagne, s'écria-t-il, je crois que voilà le visage de mon frère le capitaine et de sa femme. » Mademoiselle, après les avoir considérés avec la même émotion, en jugea de même. Tous deux étaient saisis d'étonnement et d'une joie mêlée de douleur. Tous deux s'attendrissaient, tous deux pleuraient, leur cœur palpitait, ils poussaient des cris, ils s'arrachaient les portraits, chacun d'eux les prenait et les rendait 20 fois en une seconde. Ils dévoraient des yeux les portraits et le huron. Ils lui demandaient l'un après l'autre, et tous deux à la fois, en quel lieu, en quel temps, comment ces miniatures étaient tombées entre les mains de sa nourrice. Il rapprochait, il comptait les temps depuis le départ du capitaine. Il se souvenait d'avoir eu la nouvelle qu'il avait été jusqu'au pays des Hurons et que depuis ce temps, il n'en avait jamais entendu parler. L'ingénu leur avait dit qu'il n'avait connu ni père ni mère. Le prieur, qui était homme de sens, remarqua que l'ingénu avait un peu de barbe. Il savait très bien que les Hurons n'en avaient point. « Son manteau est cotonné. Il est donc fils d'un homme d'Europe ?» Mon frère et ma belle-sœur ne parurent plus après l'expédition contre les Hurons en 1669. Mon neveu devait alors être à la mamelle. La nourrice huronne lui a sauvé la vie et lui a servi de mère. Enfin, après 100 questions et 100 réponses, le prieur et sa sœur conclurent que le Huron était leur propre neveu. Ils l'embrassaient en versant des larmes. Et l'ingénu riait, ne pouvant s'imaginer qu'un Huron fût neveu d'un prieur bas-breton. Toute la compagnie descendit. Monsieur de Saint-Yves, qui était grand physionomiste, compara les deux portraits avec le visage de l'ingénu. Il fit très habilement remarquer qu'il avait les yeux de sa mère, le front et le nez de feu monsieur le capitaine de Kercabon et des joues qui tenaient de l'un et de l'autre. Mademoiselle de Saint-Yves, qui n'avait jamais vu le père ni la mère, assura que l'ingénu leur ressemblait parfaitement. Ils admiraient tous la providence et l'enchaînement des événements de ce monde. Enfin, on était si persuadé, si convaincu de la naissance de l'ingénu qu'il consentit lui-même à être neveu de monsieur le prieur en disant qu'il aimait autant l'avoir pour son oncle qu'un autre. On alla rendre grâce à Dieu dans l'église de Notre-Dame de la Montagne tandis que le Huron, d'un air indifférent, s'amusait à boire dans la maison. Les Anglais qu'il avait amenés et qui étaient prêts à mettre la voile vinrent lui dire qu'il était temps de partir. « Apparemment, leur dit-il, vous n'avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes. Je reste ici. Retournez à Plymouth. Je vous donne toutes mes hardes. Je n'ai plus besoin de rien au monde puisque je suis le neveu d'un prieur. » Les Anglais mirent à la voile en se souciant fort peu que l'ingénu eût des parents ou non en Basse-Bretagne. Après que l'oncle, la tante et la compagnie eurent chanté le Tédéum, après que le bailli eut encore accablé l'ingénu de questions, après qu'on eût épuisé tout ce que l'étonnement, la joie, la tendresse peuvent faire dire, le prieur de la montagne et l'abbé de Saint-Yves conclurent à faire baptiser l'ingénu au plus vite. Mais il n'en était pas d'un grand Huron de 22 ans comme d'un enfant qu'on régénère sans qu'il n'en sache rien. Il fallait l'instruire, et cela paraissait difficile. Car l'abbé de Saint-Yves supposait qu'un homme qui n'était pas né en France n'avait pas le sens commun. Le prieur fit observer à la compagnie que si, en effet, monsieur l'ingénu, son neveu, n'avait pas eu le bonheur d'être élevé en Basse-Bretagne, il n'en avait pas moins d'esprit, qu'on en pouvait juger par toutes ses réponses et que sûrement la nature l'avait beaucoup favorisé, tant du côté paternel que maternel. On lui demanda d'abord s'il avait jamais lu quelques livres. Il dit qu'il avait lu Rabelais, traduit en anglais, et quelques morceaux de Shakespeare, qu'il savait par cœur. Qu'il avait trouvé ses livres chez le capitaine du vaisseau qu'il avait amené de l'Amérique à Plymouth, et qu'il en était fort content.
le bailli ne manquant pas de l'interroger sur ses livres. « Je vous avoue, dit l'ingénu, que j'ai cru en deviner quelque chose et que je n'ai pas entendu le reste. » L'abbé de Saint-Yves, à ce discours, fit réflexion que c'était ainsi que lui-même avait toujours lu et que la plupart des hommes ne lisaient guère autrement. « Vous avez sans doute lu la Bible, dit-il au Huron. « Point du tout, monsieur l'abbé. Elle n'était pas parmi les livres de mon capitaine. Je n'en ai jamais entendu parler. » « Voilà comme sont ces maudits Anglais !» criait mademoiselle de Kercabon. « Ils feront plus de cas d'une pièce de Shakespeare, d'un plum pudding et d'une bouteille de rhum que du Pentateuque. Aussi n'ont-ils jamais converti personne en Amérique. Certainement, ils sont maudits de Dieu, et nous leur prendrons la Jamaïque et la Virginie avant qu'il soit peu de temps. » Quoi qu'il en soit, on fit venir la plus habile tailleur de Saint-Malo pour habiller l'ingénu de pied en cap. La compagnie se sépara, le bailli alla faire ses questions ailleurs. Mademoiselle de Saint-Yves, en partant, se retourna plusieurs fois pour regarder l'ingénu, et il lui fit des révérences plus profondes qu'il n'en avait jamais fait à personne en sa vie. Le bailli, avant de prendre congé, présenta à Mademoiselle de Saint-Yves un grand nigaud de fils qui sortait du collège, mais à peine le regarda-t-elle, tant elle était occupée de la politesse du Huron. Chapitre 3. Le Huron, nommé l'ingénu, converti. Monsieur le prieur, voyant qu'il était un peu sur l'âge et que Dieu lui envoyait un neveu pour sa consolation, se mit en tête qu'il pourrait lui résigner son bénéfice s'il réussissait à le baptiser et à le faire entrer dans les ordres. L'ingénu avait une mémoire excellente. La fermeté des organes de Basse-Bretagne, fortifiée par le climat du Canada, avait rendu sa tête si vigoureuse que quand on frappait dessus, à peine le sentait-il. Et quand on gravait dedans, rien ne s'effaçait. Il n'avait jamais rien oublié. Sa conception était d'autant plus vive et plus nette que son enfance, n'ayant point été chargée des inutilités et des sottises qui accablent la nôtre, les choses entraient dans sa cervelle sans nuage. Le prieur résolut enfin de lui faire lire le Nouveau Testament. L'ingénu le dévora avec beaucoup de plaisir, mais ne sachant ni dans quel temps ni dans quel pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient arrivées, il ne douta point que le lieu de la scène ne fût en Basse-Bretagne, et il jura qu'il couperait le nez et les oreilles à Caïphe et à Pilate, si jamais il rencontrait ces marauds-là. Son oncle, charmé de ses bonnes dispositions, le mit au fait en peu de temps. Il loua son zèle, mais il lui apprit que ce zèle était inutile, attendu que ces gens-là étaient morts il y a environ 1690 années. L'ingénu sut bientôt presque tout le livre par cœur. Il proposait quelquefois des difficultés qui mettaient le prieur fort en peine. Il était obligé souvent de consulter l'abbé de Saint-Yves qui, ne sachant que répondre, fit venir un jésuite bas breton pour achever la conversion du Huron. Enfin, la grâce opéra. L'ingénu promit de se faire chrétien. Il ne douta pas qu'il ne dût commencer par être circoncis. Car, disait-il, je ne vois pas dans le livre qu'on m'a fait lire un seul personnage qui ne l'ait été. Il est donc évident que je dois faire ce sacrifice de mon prépuce. C'est le plus tôt, c'est le mieux. Et il ne délibéra point. Il envoya chercher le chirurgien du village et le pria de lui faire l'opération, comptant réjouir infiniment mademoiselle de Kercabon et toute la compagnie quand une fois la chose serait faite. Le frater, qui n'avait point encore fait cette opération, en avertit la famille, qui jeta les hauts cris. La bonne Kercabon trembla que son neveu, qui paraissait résolu et expéditif, ne se fît lui-même l'opération très maladroitement et qu'il en résultât de tristes effets auxquels les dames s'intéressent toujours par bonté d'âme. Le prieur redressa les idées du Huron. Il lui remontra que la circoncision n'était plus de mode, que le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire, que la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur. L'ingénu, qui avait beaucoup de bon sens et de droiture, disputa, mais reconnut son erreur, ce qui est assez rare en Europe aux gens qui disputent. Enfin, il promit de se faire baptiser quand on voudrait. Il fallut auparavant se confesser, et c'était là le plus difficile. L'ingénu avait toujours en poche le livre que son oncle lui avait donné. Il n'y trouvait pas qu'un seul apôtre se fût confessé, et cela le rendait très rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant, dans l'épître de Saint Jacques le Mineur, ces mots qui font tant de peine aux hérétiques. « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Le Huron se tut et se confessa à un récollet.
Quand il eut fini, il tira le récollet du confessionnal et, saisissant son homme d'un bras vigoureux, il se mit à sa place et le fit mettre à genoux devant lui. « Allons, mon ami, il est dit, confessez-vous les uns aux autres. Je t'ai conté mes péchés, tu ne sortiras pas d'ici que tu ne m'aies conté les tiens. » En parlant ainsi, il appuyait son large genou contre la poitrine de son adverse parti. Le récollet pousse des hurlements qui font retentir l'église. On accourt au bruit, on voit le catéchumène qui gourmait le moine au nom de Saint-Jacques le Mineur. La joie de baptiser un bas-breton huron en anglais était si grande qu'on passa par-dessus ses singularités. Il y eut même beaucoup de théologiens qui pensèrent que la confession n'était pas nécessaire, puisque le baptême tenait lieu de tout. On prit jour avec l'évêque de Saint-Malo qui, flatté comme on peut le croire de baptiser un huron, arriva dans un pompeux équipage suivi de son clergé. Mademoiselle de Saint-Yves, en bénissant Dieu, mit sa plus belle robe et fit venir une coiffeuse de Saint-Malo pour briller à la cérémonie. L'interrogant bailli accourut avec toute la contrée. L'église était magnifiquement parée. Mais quand il fallut prendre le huron pour le mener au fonts baptismaux, on ne le trouva point. L'oncle et la tante le cherchèrent partout. On crut qu'il était à la chasse, selon sa coutume. Tous les conviés à la fête parcoururent les bois et les villages voisins. Point de nouvelles du huron. On commença à craindre qu'il ne fût retourné en Angleterre. On se souvenait de lui avoir entendu dire qu'il aimait fort ce pays-là. Monsieur le prieur et sa sœur étaient persuadés qu'on n'y baptisait personne et tremblaient pour l'âme de leur neveu. L'évêque était confondu et prêt à s'en retourner. Le prieur et l'abbé de Saint-Yves se désespéraient. Le bailli interrogeait tous les passants avec sa gravité ordinaire. Mademoiselle de Kercabon pleurait. Mademoiselle de Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle poussait de profonds soupirs qui semblaient témoigner son goût pour les sacrements. Elle se promenait tristement le long des saules et des roseaux qui bordent la petite rivière de Rance. Lorsqu'elles aperçurent au milieu de la rivière une assez grande figure blanche, les deux mains croisées sur la poitrine. Elles jetèrent un grand cri et se détournèrent. Mais la curiosité l'emportant bientôt sur toute considération, elles se coulèrent doucement entre les roseaux. Et quand elles furent bien sûres de n'être point vues, elles voulurent voir de quoi il s'agissait. Chapitre 4. L'ingénu baptisé. Le prieur et l'abbé, étant accourus, demandèrent à l'ingénu ce qu'il faisait là. « Parbleu, messieurs, j'attends le baptême. Il y a une heure que je suis dans l'eau jusqu'au cou et il n'est pas honnête de me laisser morfondre. »« Mon cher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce n'est pas ainsi qu'on baptise en Basse-Bretagne. Reprenez vos habits et venez avec nous. » Mademoiselle de Saint-Yves, en entendant ce discours, disait tout bas à sa compagne. « Mademoiselle, croyez-vous qu'il reprenne aussitôt ses habits ?» Le huron, cependant, repartit au prieur. « Vous ne m'en ferez pas à croire cette fois-ci comme l'autre. J'ai bien étudié depuis ce temps-là et je suis certain qu'on ne baptise pas autrement. » L'eunuque de la reine Candace fut baptisé dans un ruisseau. Je vous défie de me montrer dans le livre que vous m'avez donné qu'on ne s'y soit jamais pris d'une autre façon. Je ne serai point baptisé du tout, ou je le serai dans la rivière. » On eut beau lui démontrer que les usages avaient changé, l'ingénu était têtu. Car il était breton et huron. Il revenait toujours à l'eunuque de la reine Candace. Et, quoique mademoiselle sa tante et mademoiselle de Saint-Yves, qui l'avaient observé entre les saules, fussent en droit de lui dire qu'il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n'en firent pourtant rien. Tant était grande leur discrétion. L'évêque vint lui-même lui parler, ce qui était beaucoup, mais il ne gagna rien. Le huron disputa contre l'évêque. « Montrez-moi, lui dit-il dans le livre que m'a donné mon oncle, un seul homme qui n'ait pas été baptisé dans la rivière, et je ferai tout ce que vous voudrez. » La tante, désespérée, avait remarqué que, la première fois que son neveu avait fait la référence, il en avait fait une plus profonde à mademoiselle de Saint-Yves qu'à aucune autre personne de la compagnie, qu'il n'avait pas même salué monsieur l'évêque avec ce respect mêlé de cordialité qu'il avait témoigné à cette belle demoiselle. Elle prit le parti de s'adresser à elle dans ce grand embarras. Elle la pria d'interposer son crédit pour engager le huron à se faire baptiser de la même manière que les Bretons, ne croyant pas que son neveu pût jamais être chrétien s'il persistait à vouloir être baptisé dans l'eau courante.
Mademoiselle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu'elle sentait d'être chargée d'une si importante commission. Elle s'approcha modestement de l'ingénue et, lui serrant la main d'une manière tout à fait noble, « Est-ce que vous ne ferez rien pour moi ?» lui dit-elle. Et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux et le relevait avec une grâce attendrissante. « Oh, tout ce que vous voudrez, mademoiselle, tout ce que vous me demanderez, baptême d'eau, baptême de feu, baptême de sang, il n'y a rien que je vous refuse. » Mademoiselle de Saint-Yves eut la gloire de faire en deux paroles ce que ni les empressements du prieur, ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raisonnements même de monsieur l'évêque n'avaient pu faire. Elle sentit son triomphe, mais elle n'en sentait pas encore toute l'étendue. Le baptême fut administré et reçu avec toute la décence, toute la magnificence, tout l'agrément possible. L'oncle et la tante cédèrent à monsieur l'abbé de Saint-Yves et à sa sœur l'honneur de tenir l'ingénue sur les fonds. Mademoiselle de Saint-Yves rayonnait de joie de se voir marraine. Elle ne savait pas à quoi ce grand titre la servissait. Elle accepta cet honneur sans en connaître les fatales conséquences. Comme il n'y eut jamais de cérémonie qui ne fût suivie d'un grand dîner, on se mit à table au sortir du baptême. Les goguenards de Basse-Bretagne dirent qu'il ne fallait pas baptiser son vin. Monsieur le prieur disait que le vin, selon Salomon, réjouit le cœur de l'homme. Monsieur l'évêque ajoutait que le patriarche Judas devait lier son ânon à la vigne et tremper son manteau dans le sang du raisin. Et qu'il était bien triste qu'on ne pût en faire autant en Basse-Bretagne, à laquelle Dieu a daigné les vignes. Chacun tâchait de dire un bon mot sur le baptême de l'ingénue et des galanteries à la marraine. Le bailli, toujours interrogant, demandait au Huron s'il serait fidèle à ses promesses. « Comment voulez-vous que je manque à mes promesses ?» répondit le Huron, « puisque je les ai faites entre les mains de Mademoiselle de Saint-Yves. » Le Huron s'échauffa. Il but beaucoup à la santé de sa marraine. « Si j'avais été baptisé de votre main, dit-il, je sens que l'eau froide qu'on m'a versée sur le chignon m'aurait brûlé. » Le bailli trouva cela trop poétique, ne sachant pas combien l'allégorie est familière au Canada. Mais la marraine en fut extrêmement contente. On avait donné le nom d'Hercule au baptisé. L'évêque de Saint-Malo demandait toujours quel était ce patron dont il n'avait jamais entendu parler. Le jésuite, qui était fort savant, lui dit que c'était un saint qui avait fait 12 miracles. Il y avait un 13e qui valait les 12 autres, mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler. C'était celui d'avoir changé 50 filles en femmes en une seule nuit. Un plaisant, qui se trouva là, releva ce miracle avec énergie. Toutes les dames baissèrent les yeux et jugèrent à la physionomie de l'ingénue qu'il était digne du saint dont il portait le nom. Chapitre 5. L'ingénue amoureux. Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner, Mademoiselle de Saint-Yves souhaita passionnément que Monsieur l'évêque la fît encore participante de quelques beaux sacrements avec Monsieur Hercule l'ingénue. Cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive et sage. Dès que Monsieur l'évêque fut parti, l'ingénue et Mademoiselle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé qu'ils se diraient. L'ingénue lui dit d'abord qu'il aimait de tout son cœur et que la belle Abacaba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mademoiselle lui répondit, avec sa modestie ordinaire, qu'il fallait en parler au plus vite à monsieur le prieur son oncle et à mademoiselle sa tante, et que de son côté, elle en dirait deux mots à son cher frère l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement commun. L'ingénue lui répond qu'il n'avait pas besoin du consentement de personne, qu'il lui paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire, que, quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. « Je ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de déjeuner ou de chasser ou de dormir. Je sais bien qu'en amour, il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut, mais comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux, ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire. Et si vous m'en croyez, vous vous passerez aussi de monsieur l'abbé de Saint-Yves. » On peut juger que la belle Bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son Huron au terme de la bienséance.
Elle se fâcha même et bientôt se radoucit. Enfin, on ne sait comment aurait fini cette conversation si, le jour baissant, monsieur l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'ingénu laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatigués de la cérémonie et de leur long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue huronne pour sa bien-aimée. Car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'ait rendu les amants poètes. Le lendemain, son oncle lui parla ainsi après le déjeuner en présence de mademoiselle Kercabon, qui était tout attendrie. Le ciel soit loué de ce que vous avez l'honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et bas-breton. Mais cela ne suffit pas. Je suis un peu sur l'âge. Mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu de choses. J'ai un bon prieuré. Si vous voulez seulement vous faire sous-diacre, comme je l'espère, je vous résignerai mon prieuré. Et vous vivrez fort à votre aise après avoir été la consolation de ma vieillesse. L'ingénieur répondit. « Mon oncle, grand bien vous fasse, vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est d'être sous-diacre, ni que de résigner, mais tout me sera bon pourvu que j'ai mademoiselle de Saint-Yves à ma disposition. »« Eh mon Dieu, mon neveu, que me dites-vous là? Vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie ?»« Oui, mon oncle. »« Hélas, mon neveu, il est impossible que vous l'épousiez. »« Cela est très possible, mon oncle. » Car non seulement elle m'a serré la main en me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage. Et assurément, je l'épouserai. Cela est impossible, vous dis-je. Elle est votre marraine. C'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul. Il n'est pas permis d'épouser sa marraine. Les lois divines et humaines s'y opposent. Morbleu, mon oncle, vous moquez de moi. Pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine quand elle est jeune et jolie? Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fut mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisés. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il vous dit. Je vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Saint-Yves sous prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève et que je me débaptise. » Le prieur fut confondu. Sa sœur pleura. « Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que notre neveu se damne. Notre Saint-Père le Pape peut lui donner la dispense et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ce qu'il aime. » L'ingénu embrassa sa tante. « Quel est-il donc cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les garçons et les filles dans leurs amours? Je veux lui parler tout à l'heure. » On lui expliqua que c'était le Pape. Et l'ingénu fut encore plus étonné qu'auparavant. « Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre livre, mon cher oncle. J'ai voyagé, je connais la mer, nous sommes ici sur la côte de l'océan. Et je quitterai mademoiselle de Saint-Yves pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée, à 400 lieues d'ici, et dont je n'entends point la langue. Cela est d'un ridicule incompréhensible. » Je vais sur le champ chez monsieur l'abbé de Saint-Yves, qui ne demeure qu'à une lieue de vous, et je vous réponds que j'épouserai ma maîtresse dans la journée. » Comme il parlait encore, entra le bailli, qui, selon sa coutume, lui demanda où il allait. « Je vais me marier, » dit l'ingénu, en courant. Et au bout d'un quart d'heure, il était déjà chez sa belle et chère basse Brette, qui dormait encore. « Oh, mon frère, » disait mademoiselle de Kercabon en prieur, « jamais vous ne ferez un sous-diacre de notre neveu. » Le bailli fut fort mécontent de ce voyage, car il prétendait que son fils épousa la Saint-Yves. Et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père. Chapitre 6. L'ingénu court chez sa maîtresse et devient furieux. À peine l'ingénu était arrivé, qu'ayant demandé à une vieille servante où était la chambre de sa maîtresse, il avait poussé fortement la porte mal fermée et s'était élancé vers le lit. Mademoiselle de Saint-Yves, se réveillant en sursaut, s'était écriée « Quoi ? C'est vous ? Ah, c'est vous ! Arrêtez, mais que faites-vous ? » Il avait répondu « Je vous épouse. » Et en effet, il l'épousait, si elle ne s'était pas débattue avec toute l'honnêteté d'une personne qui a de l'éducation. L'ingénu n'entendait pas la raillerie. Il trouvait toutes ces façons extrêmement impertinentes. « Ce n'était pas ainsi qu'on usait avec mademoiselle Abakaba, ma première maîtresse.
Vous n'avez point de probité. Vous m'aviez promis le mariage et vous ne voulez point faire mariage. C'est manquer aux premières lois de l'honneur. Je vous apprendrai à tenir votre parole et je vous remettrai dans le chemin de la vertu. » L'ingénue possédait une vertu mâle et intrépide, digne de son patron Hercule, dont on lui avait donné le nom à son baptême. Il allait l'exercer dans toute son étendue, lorsqu'au cri perçant de la demoiselle plus discrètement vertueuse, accourut le sage abbé de Saint-Yves, avec sa gouvernante, un vieux domestique dévot et un prêtre de la paroisse. Cette vue modéra le courage de l'assaillant. « Eh, mon Dieu, mon cher voisin, lui dit l'abbé, que faites-vous là ?»« Mon devoir, répliqua le jeune homme, je remplis mes promesses, qui sont sacrées. » Mademoiselle de Saint-Yves se rajusta en rougissant. On emmena l'ingénu dans un autre appartement. L'abbé lui remontra l'énormité du procédé. L'ingénu se défendit sur les privilèges de la loi naturelle qu'il connaissait parfaitement. L'abbé voulut prouver que la loi positive devait avoir tout l'avantage et que, sans les conventions faites entre les hommes, la loi de la nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel. « Il faut, lui disait-il, des notaires, des prêtres, des témoins, des contrats, des dispenses. » L'ingénu lui répondit par la réflexion que les sauvages ont toujours faite. « Vous êtes donc de bien malhonnêtes gens, puisqu'il faut entre vous tant de précautions. » L'abbé eut de la peine à résoudre cette difficulté. « Il y a, dit-il, je l'avoue, beaucoup d'inconstants et de fripons parmi nous. » Et il y en aurait autant chez les Hurons s'ils étaient rassemblés dans une grande ville. Mais aussi, il y a des âmes sages, honnêtes, éclairées, et ce sont ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on est d'hommes de bien, plus on doit s'y soumettre. On donne l'exemple aux vicieux qui respectent un frein que la vertu s'est donné à elle-même. Cette réponse frappa l'ingénu. On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste. On l'adoucit par des paroles flatteuses. On lui donna des espérances. Ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent. On lui présenta même Mademoiselle de Saint-Yves quand elle lui fait sa toilette. Tout se passa avec la plus grande bienséance. Mais, malgré cette décence, les yeux étincelants de l'ingénu Hercule firent toujours baisser ceux de sa maîtresse et trembler la compagnie. On eut une peine extrême à le renvoyer chez ses parents. Il fallut encore employer le crédit de la belle Saint-Yves. Plus elle sentait son pouvoir sur lui, et plus elle l'aimait. Elle le fit partir et en fut très affligée. Enfin, quand il fut parti, l'abbé, qui non seulement était le frère très aimé de Mademoiselle de Saint-Yves, mais qui était aussi son tuteur, prit le parti de soustraire sa pupille aux empressements de cet amant redoutable. Il alla consulter le bailli qui, destinant toujours à son fils la sœur de l'abbé, lui conseilla de mettre la pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup terrible. Une indifférente qu'on mettrait au couvent jetterait les hauts cris, mais une amante, et une amante aussi sage que tendre, c'était de quoi la mettre au désespoir. L'ingénu, de retour chez le prieur, raconta tout avec sa naïveté ordinaire. Il essuya les mêmes remontrances qui firent quelque effet sur son esprit, mais aucun sur ses sens. Mais le lendemain, quand il voulut retourner chez sa belle maîtresse pour raisonner avec elle sur la loi naturelle et sur la loi de convention, monsieur le bailli lui apprit avec une joie insultante qu'elle était dans un couvent. « Eh bien, dit-il, j'irai raisonner dans ce couvent. »« Cela ne se peut, dit le bailli. Il lui expliqua fort au long ce que c'était qu'un couvent, ou un convent, que ce mot venait du latin « conventus », qui signifie « assemblée ». Et le Huron ne pouvait comprendre pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l'assemblée. Sitôt qu'il fut instruit que cette assemblée était une espèce de prison où l'on tenait les filles renfermées, chose horrible, inconnue chez les Hurons et chez les Anglais, il devint aussi furieux que le fut son patron Hercule lorsque Eurite, roi de Calie, non moins cruel que l'abbé de Saint-Yves, lui refusa la belle Iole, sa fille, non moins belle que la sœur de l'abbé. Il voulait aller mettre le feu au couvent, enlever sa maîtresse ou se brûler avec elle. Mademoiselle de Kercabon, épouvantée, renonçait plus que jamais à toutes les espérances de voir son neveu sous diacre et disait en pleurant qu'il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé. Chapitre 7. L'ingénu repousse les Anglais.
L'ingénu, plongé dans une sombre et profonde mélancolie, se promena vers le bord de la mer, son fusil à deux coups sur l'épaule, son grand coutelas au côté, tirant de temps en temps sur quelque oiseau et souvent tenté de tirer sur lui-même. Mais il aimait encore la vie à cause de Mademoiselle de Saint-Yves. Tantôt il maudissait son oncle, sa tante et toute la Basse-Bretagne et son baptême. Tantôt il les bénissait puisqu'il lui avait fait connaître celle qu'il aimait. Il prenait la résolution d'aller brûler le couvent et il s'arrêtait tout court de peur de brûler sa maîtresse. Les flots de la Manche ne sont pas plus agités par les vents d'est et d'ouest que son cœur l'était par tant de mouvements contraires. Il marchait à grands pas, sans savoir où, lorsqu'il entendit le son d'un tambour. Il vit de loin tout un peuple dont une moitié courait au rivage et l'autre s'enfuyait. 1000 cris s'élèvent de tous côtés. La curiosité et le courage le précipitent à l'instant vers l'endroit d'où partaient ces clameurs. Il y vole en 4 bonds. Le commandant de la milice, qui avait soupé avec lui chez le prieur, le reconnut aussitôt. Il court à lui, les bras ouverts. « Ah, c'est l'ingénu ! Il combattra pour nous !» Et les milices, qui mouraient de peur, se rassurèrent et crièrent aussi. « C'est l'ingénu ! C'est l'ingénu !»« Messieurs, dit-il, de quoi s'agit-il ? Pourquoi êtes-vous si effarés ? A-t-on mis vos maîtresses dans des couvents ?» Alors, sans voix confuse, s'écrièrent. « Ne voyez-vous pas les Anglais qui abordent ?»« Eh bien, répliqua le Huron, ce sont de braves gens. Ils ne m'ont jamais proposé de me faire sous-diacre. Ils ne m'ont point enlevé ma maîtresse. » Le commandant lui fit entendre que les Anglais venaient piller l'abbaye de la montagne, boire le vin de son oncle et peut-être enlever Mademoiselle de Saint-Yves. Que le petit vaisseau sur lequel il avait abordé en Bretagne n'était venu que pour reconnaître la côte, qu'il faisait des actes d'hostilité sans avoir déclaré la guerre au roi de France et que la province était exposée. « Oh ! Si cela est, ils violent la loi naturelle. Laissez-moi faire. J'ai demeuré longtemps parmi eux. Je sais leur langue. Je leur parlerai. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir un si méchant dessein. » Pendant cette conversation, l'escadre anglaise approchait. Voilà le Huron qui court vers elle, se jette dans un petit bateau, arrive, monte au vaisseau amiral et demande s'il est vrai qu'ils viennent ravager le pays sans avoir déclaré la guerre honnêtement. L'amiral et tout son bord firent de grands éclats de rire, lui firent boire du punch et le renvoyèrent. L'ingénu, piqué, ne songea plus qu'à bien se battre contre ses anciens amis, pour ses compatriotes et pour monsieur le prieur. Les gentilshommes du voisinage accouraient de toutes parts. Il se joint à eux. On avait quelques canons, ils les chargent, ils les pointent, ils les tirent l'un après l'autre. Les Anglais débarquent. Ils courent à eux. Il en tue 3 de sa main. Il blesse même l'amiral qui s'était moqué de lui. Sa valeur anime le courage de toute la milice. Les Anglais se rembarquent et toute la côte retentissait des cris de la victoire. « Vive le roi ! Vive l'ingénu !» Chacun l'embrassait, chacun s'empressait d'étancher le sang de quelques blessures légères qu'il avait reçues. « Ah, disait-il, si Mademoiselle de Saint-Yves était là, elle me mettrait une compresse. » Le bailli, qui s'était caché dans sa cave pendant le combat, vient lui faire compliment comme les autres. Mais il fut bien surpris quand il entendit Hercule l'ingénu dire à une douzaine de jeunes gens de bonne volonté dont il était entouré « Mes amis, ce n'est rien d'avoir délivré l'abbaye de la montagne. Il faut délivrer une fille. » Et toute cette bouillante jeunesse prit feu à ses seules paroles. On le suivait déjà en foule, on courait au couvent. Si le bailli n'avait pas sur le champ averti le commandant, si on n'avait pas couru après la troupe joyeuse, c'en était fait. On ramena l'ingénu chez son oncle et sa tante, qui le baignèrent des larmes de joie et de tendresse. « Je vois bien que vous ne serez jamais sous-diacre ni prieur, lui dit son oncle. Vous serez un officier encore plus brave que mon frère le capitaine, et probablement aussi gueux. » Et Mademoiselle de Kercabon pleurait toujours en l'embrassant et en disant « Il se fera tuer comme mon frère, il vaudrait bien mieux qu'il fût sous-diacre. » L'ingénu, dans le combat, avait ramassé une grosse bourse remplie de guinées que probablement l'amiral avait laissé tomber. Il ne douta pas qu'avec cette bourse, il ne pût acheter toute la Basse-Bretagne et surtout faire Mademoiselle de Saint-Yves grande dame.
Chacun l'exhorta à faire le voyage de Versailles pour y recevoir le prix de ses services. Le commandant, les principaux officiers le comblèrent de certificats. L'oncle et la tante approuvèrent le voyage du neveu. Il devait être sans difficulté présenté au roi. Cela seul lui donnerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux bonnes gens ajoutèrent à la bourse anglaise un présent considérable de leurs épargnes. L'ingénu disait en lui-même « Quand je verrai le roi, je lui demanderai Mademoiselle de Saint-Yves en mariage, et certainement il ne me refusera pas. » Il partit donc aux acclamations de tout le canton, étouffé d'embrassements, baigné des larmes de sa tante, béni par son oncle et se recommandant à la belle Saint-Yves. Chapitre 8. L'ingénu va en cour, il soupe en chemin avec des huguenots. L'ingénu prit le chemin de Saumur par le Coche, parce qu'il n'y avait point alors d'autre commodité. Quand il fut à Saumur, il s'étonna de trouver la ville presque déserte et de voir plusieurs familles qui déménageaient. On lui dit que, 6 ans auparavant, Saumur contenait plus de 15 000 âmes et qu'à présent, il n'y en avait pas 6 000. Il ne manqua pas d'en parler à souper dans son hôtellerie. Plusieurs protestants étaient à table. Les uns se plaignaient amèrement, d'autres frémissaient de colère. D'autres disaient en pleurant « Nos dulcia liquimus arva, nos patriam fugitimus ». L'ingénu, qui ne savait pas le latin, se fit expliquer ces paroles qui signifient « Nous abandonnons nos douces campagnes, nous fuyons notre patrie ». Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, messieurs ? C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape. Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas ? Vous n'avez donc point de marraine que vous vouliez épouser, car on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission. Ah, oh, monsieur, ce pape dit qu'il est le maître du domaine des rois. Mais messieurs, de quelle profession êtes-vous ? Monsieur, nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants. Si votre pape dit qu'il est le maître de vos draps et de vos fabriques, vous faites très bien de ne pas le reconnaître, mais pour les rois, c'est leur affaire. De quoi vous mêlez-vous ? Alors, un petit homme noir prit la parole et exposa très savamment les griefs de la compagnie. Il parla de la révocation de l'édit de Nantes avec tant d'énergie, il déplora d'une manière si pathétique le sort de 50 000 familles fugitives et de 50 000 autres converties par les dragons, que l'ingénu à son tour versa des larmes. D'où vient donc, disait-il, qu'un si grand roi, dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons, se prive ainsi de tant de cœurs qu'il aurait aimés et de tant de bras qu'il aurait servi ? C'est qu'on l'a trompé comme les autres grands rois, répondit l'homme noir. On lui a fait croire que, dès qu'il aurait dit un mot, tous les hommes penseraient comme lui et qu'il nous ferait changer de religion, comme son musicien Lully fait changer en un moment les décorations de ses opéras. Non seulement il perd déjà 5 à 600 000 sujets très utiles, mais il s'en fait des ennemis. Et le roi Guillaume, qui est actuellement maître de l'Angleterre, a composé plusieurs régiments de ces mêmes Français qui auraient combattu pour leur monarque. Un tel désastre est d'autant plus étonnant que le pape régnant, à qui Louis XIV sacrifie une partie de son peuple, est son ennemi déclaré. Ils ont encore tous deux, depuis 9 ans, une querelle violente. Elle a été poussée si loin que la France a espéré enfin devoir briser le joug qui la soumet depuis tant de siècles à cet étranger, et surtout de ne lui plus donner d'argent, ce qui est le premier mobile des affaires de ce monde. Il paraît donc évident qu'on a trompé ce grand roi sur ses intérêts comme sur l'étendue de son pouvoir, et qu'on a donné atteinte à la magnanimité de son cœur. L'ingénu, attendri de plus en plus, demanda quels étaient les Français qui trompaient ainsi un monarque si cher aux Hurons. « Ce sont les Jésuites, lui répondit-on. C'est surtout le père de la chaise, confesseur de sa majesté. Il faut espérer que Dieu les en punira un jour et qu'ils seront chassés comme ils nous chassent. Y a-t-il un malheur égal au nôtre ? Mons de Louvois nous envoie de tous côtés des Jésuites et des dragons. « Oh bien, messieurs, répliqua l'ingénu, qui ne pouvait plus se contenir. Je vais à Versailles recevoir la récompense due à mes services. Je parlerai à ce Mons de Louvois. On m'a dit que c'est lui qui fait la guerre de son cabinet. Je verrai le roi, je lui ferai connaître la vérité. Il est impossible qu'on ne se rende pas à cette vérité quand on la sent.
Je reviendrai bientôt pour épouser Mademoiselle de Saint-Yves et je vous prie à la noce. » Ces bonnes gens le prirent alors pour un grand seigneur qui voyageait incognito par le coche. Quelques-uns le prirent pour le fou du roi. Il y avait à la table un jésuite déguisé qui servait d'espion au révérend père de Lachaise. Il lui rendait compte de tout et le père de Lachaise en instruisait Monse de Louvois. L'espion écrivit. L'ingénu et la lettre arrivèrent presque en même temps à Versailles. Chapitre 9. Arrivée de l'ingénu à Versailles. Sa réception à la cour. L'ingénu débarque en peau de chambre dans la cour des cuisines. Il demande aux porteurs de chaises à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs lui rient au nez, tout comme avait fait l'amiral anglais. Il les traita de même, il les battit. Ils voulurent lui rendre. Et la scène allait être sanglante s'il n'eût passé un garde du corps, gentilhomme breton, qui écarta la canaille. « Monsieur, lui dit le voyageur, vous me paraissez un brave homme. Je suis le neveu de monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montagne. J'ai tué des Anglais, je viens parler au roi. Je vous prie de me mener dans sa chambre. » Le garde, ravi de trouver un brave de sa province, qui ne paraissait pas au fait des usages de la cour, lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi et qu'il fallait être présenté par Monseigneur de Louvois. « Eh bien, menez-moi donc chez ce Monseigneur de Louvois, qui sans doute me conduira chez Sa Majesté. » « Il est encore plus difficile, répliqua le garde, de parler à Monseigneur de Louvois qu'à Sa Majesté. Mais je vais vous conduire chez Monsieur Alexandre, le premier commis de la guerre. C'est comme si vous parliez au ministre. » Ils vont donc chez ce Monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits. Il était en affaire avec une dame de la cour. Il y avait ordre de ne laisser entrer personne. « Eh bien, dit le garde, il n'y a rien de perdu. Allons chez le premier commis de Monsieur Alexandre. C'est comme si vous parliez à Monsieur Alexandre lui-même. » Le Huron, tout étonné, le suit. Ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre. « Qu'est-ce donc que tout ceci ? Dit l'ingénu. « Est-ce que tout le monde est invisible dans ce pays-ci ? Il est bien plus aisé de se battre en Basse-Bretagne contre les Anglais que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire. » Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote. Mais l'heure en sonnant rappela le garde du corps à son poste. Ils se promirent de se revoir le lendemain. Et l'ingénu resta encore une autre demi-heure dans l'antichambre, en rêvant à Mademoiselle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au roi et au premier commis. Enfin, le patron parut. « Monsieur, lui dit l'ingénu, si j'avais attendu pour repousser les Anglais aussi longtemps que vous m'avez fait attendre mon audience, ils ravageraient actuellement la Basse-Bretagne tout à leur aise. » Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au breton, « Que demandez-vous ? « Récompense, dit l'autre, voici les titres. » Il lui étala tous ses certificats. Le commis lut et il lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance. « Moi ? Que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais ? Que je paye le droit de me faire tuer pour vous pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement ? Je crois que vous voulez rire. Je veux une compagnie de cavalerie pour rien. Je veux que le roi fasse sortir Mademoiselle de Saint-Yves du couvent et qu'il me la donne pour mariage. Je veux parler au roi en faveur de 50 000 familles que je prétends lui rendre. En un mot, je veux être utile, qu'on m'emploie et qu'on m'avance. » « Comment vous nommez-vous, monsieur, qui parlez si haut ?»« Oh, oh !» reprit l'ingénu. « Vous n'avez donc pas lu mes certificats ? C'est donc ainsi qu'on en use. Je m'appelle Hercule de Kercabon. Je suis baptisé. Je loge au cadran bleu et je me plaindrai de vous au roi. » Le commis conclut, comme les gens de Saumur, qu'il n'avait pas la tête bien saine et n'y fit pas grande attention. Ce même jour, le révérend père Lachaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion qui accusait le breton Kercabon de favoriser dans son cœur les Huguenots et de condamner la conduite des jésuites. Monsieur de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant bailli qui dépeignait l'ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. L'ingénu, après s'être promené dans les jardins de Versailles, où il s'ennuya, après avoir soupé en Huron et en bas breton, s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain, d'obtenir Mademoiselle de Saint-Yves en mariage, d'avoir au moins une compagnie de cavalerie et de faire cesser la persécution contre les Huguenots.
Il se berçait de ses flatteuses idées. Quand la maréchaussée entra dans sa chambre, elle se saisit d'abord de son fusil à deux coups et de son grand sabre. On fit un inventaire de son argent comptant et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles V, fils de Jean II, auprès de la rue Saint-Antoine à la porte des Tournelles. Quel était en chemin l'étonnement de l'ingénu, je vous le laisse à penser. Il crut d'abord que c'était un rêve. Il resta dans l'engourdissement. Puis tout à coup, transporté d'une fureur qui redoublait ses forces, il prend à la gorge deux de ses conducteurs qui étaient avec lui dans le carrosse, les jette à la portière, se jette après eux et entraîne le troisième qui voulait le retenir. Il tombe de l'effort, on le lit, on le remonte dans la voiture. « Voilà donc, disait-il, ce que l'on gagne à chasser les Anglais de la Basse-Bretagne. Que tirais-tu, belle Saint-Yves, si tu me voyais dans cet état ?» On arrive enfin au gîte qui lui était destiné. On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé, comme un mort qu'on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal nommé Gordon, qui y languissait depuis 2 ans. « Tenez, lui dit le chef des sbires, voilà de la compagnie que je vous amène. » Et sur le champ, on referma les énormes verrous de la porte épaisse, revêtue de larges barres. Les deux captifs restèrent séparés de l'univers entier. Chapitre 10. L'ingénu enfermé à la Bastille avec un janséniste. Monsieur Gordon était un vieillard frais et serein qui savait 2 grandes choses, supporter l'adversité et consoler les malheureux. Il s'avança d'un air ouvert et compatissant vers son compagnon et lui dit en l'embrassant « Qui que vous soyez qui venez partager mon tombeau, soyez sûr que je m'oublierai toujours moi-même pour adoucir vos tourments dans l'abîme infernal où nous sommes plongés. Adorons la Providence qui nous y a conduits, souffrons en paix et espérons. » Ces paroles firent sur l'âme de l'ingénu l'effet des gouttes d'Angleterre qui rappellent un mourant à la vie et lui font entrouvrir les yeux étonnés. Après les premiers compliments, Gordon, sans le presser de lui apprendre la cause de son malheur, lui inspira, par la douceur de son entretien et par cet intérêt que prennent 2 malheureux l'un à l'autre, le désir d'ouvrir son cœur et de déposer le fardeau qui l'accablait. Mais il ne pouvait deviner le sujet de son malheur. Cela lui paraissait un effet sans cause, et le bonhomme Gordon était aussi étonné que lui-même. « Il faut, dit le janséniste au Huron, que Dieu ait de grands desseins sur vous, puisqu'il vous a conduit du lac Ontario en Angleterre et en France, qu'il vous a fait baptiser en Basse-Bretagne et qu'il vous a mis ici pour votre salut. » « Ma foi, répondit l'ingénu, je crois que le diable s'est mêlé seul de ma destinée. Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve. Ils n'en ont pas l'idée. On les appelle sauvages. Ce sont des gens de bien, grossiers. Et les hommes de ce pays-ci sont des coquins raffinés. Je suis, à la vérité, bien surpris d'être venu de l'autre monde pour être enfermé dans celui sous 4 verrous avec un prêtre. Mais je fais réflexion au nombre prodigieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre, ou qui font naufrage en chemin et qui sont mangés des poissons. Je ne vois pas les gracieux desseins de Dieu dans tous ces gens-là. » On le rapporta à dîner par un guichet. La conversation roula sur la Providence, sur les lettres de cachet et sur l'art de ne pas succomber aux disgrâces auxquelles tout homme est exposé dans ce monde. « Il y a 2 ans que je suis ici, dit le vieillard, sans autre consolation que moi-même et des livres. Je n'ai pas eu un moment de mauvaise humeur. »« Oh, monsieur Gordon, s'écria l'ingénu, vous n'aimez donc pas votre marraine? Si vous connaissiez comme moi mademoiselle de Saint-Yves, vous seriez au désespoir. » Et à ces mots, il ne put retenir ses larmes et il se sentit alors un peu moins oppressé. « Mais, dit-il, pourquoi donc les larmes soulagent-elles? Il me semble qu'elle devrait faire l'effet contraire. » Mon fils, tout est physique en nous, dit le bon vieillard. Toute sécrétion fait du bien au corps, et tout ce qui le soulage, soulage l'âme. Nous sommes les machines de la Providence. L'ingénu, qui, comme nous l'avons dit plusieurs fois, avait un grand fond d'esprit, fit de profondes réflexions sur cette idée dont il semblait qu'il avait la semence en lui-même. Après quoi, il demanda à son compagnon pourquoi sa machine était depuis 2 ans sous 4 verrous.
Par la grâce efficace, répondit Gordon. Je passe pour janséniste. J'ai connu Arnaud et Nicole. Les jésuites nous ont persécutés. Nous croyons que le pape n'est qu'un évêque comme un autre, et c'est pour cela que le père de Lachaise a obtenu du roi, son pénitent, un ordre de me ravir sans aucune formalité de justice. Le bien le plus précieux des hommes, la liberté. Voilà qui est bien étrange, dit l'ingénu. Tous les malheureux que j'ai rencontrés ne le sont qu'à cause du pape. À l'égard de votre grâce efficace, je vous avoue que je n'y entends rien. Mais je regarde comme une grande grâce que Dieu m'ait fait trouver dans mon malheur un homme comme vous, qui verse dans mon cœur des consolations dont je me croyais incapable. Chaque jour, la conversation devenait plus intéressante et plus instructive. Les âmes des deux captifs s'attachaient l'une à l'autre. Le vieillard savait beaucoup, et le jeune homme voulait beaucoup apprendre. Au bout d'un mois, il étudia la géométrie, il la dévorait. Gordon lui fit lire « La physique » de Rouault, qui était encore à la mode, et il eut le bon esprit de n'y trouver que des incertitudes. Ensuite, il lut le premier volume de « La recherche de la vérité ». Cette nouvelle lumière l'éclaira. « Quoi ? » dit-il. « Notre imagination et nos sens nous trompent à ce point ? Quoi ? Les objets ne forment point nos idées ? Et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes ?» Quand il lut le second volume, il ne fut plus si content et il conclut qu'il est plus aisé de détruire que de bâtir. Son confrère, étonné qu'un jeune ignorant fît cette réflexion qui n'appartient qu'aux âmes exercées, conçut une grande idée de son esprit et s'attacha à lui davantage. Votre Malebranche, lui dit un jour l'ingénu, me paraît avoir écrit la moitié de son livre avec sa raison et l'autre avec son imagination et ses préjugés. Quelques jours après, Gordon lui demanda : Que pensez-vous donc de l'âme, de la manière dont nous recevons nos idées, de notre volonté, de la grâce, du libre arbitre ? « Rien, lui repartit l'ingénu. Si je pensais quelque chose, c'est que nous sommes sous la puissance de l'être éternel, comme les astres et les éléments, qu'il fait tout en nous, que nous sommes de petites roues de la machine immense dont il est l'âme, qu'il agit par des lois générales et non par des vues particulières. Cela seul me paraît intelligible. Tout le reste est pour moi un abîme de ténèbres. » « Mais mon fils, ce serait faire Dieu auteur du péché. » « Mais mon père, votre grâce efficace ferait Dieu auteur du péché aussi, car il est certain que tous ceux à qui cette grâce serait refusée pécheraient. Et qui nous livre au mal, n'est-il pas l'auteur du mal ?» Cette naïveté embarrassait fort le bonhomme. Il sentait qu'il faisait de vains efforts pour se tirer de ce bourbier et il entassait tant de paroles qui paraissait avoir du sens et qui n'en avait point, dans le goût de la prémonition physique, que l'ingénu en avait pitié. Cette question tenait évidemment à l'origine du bien et du mal. Et alors, il fallait que le pauvre Gordon passât en revue la boîte de Pandore, l'œuf d'Orosmade percé par Ahriman, l'inimitié entre Typhon et Osiris, et enfin, le péché originel. Et ils couraient l'un et l'autre dans cette nuit profonde, sans jamais se rencontrer. Mais enfin, ce roman de l'âme détournait leur vue de la contemplation de leur propre misère, et par un charme étrange, la foule des calamités répandues sur l'univers diminuait la sensation de leur peine. Ils n'osaient se plaindre quand tout souffrait. Mais dans le repos de la nuit, l'image de la belle Saint-Yves effaçait dans l'esprit de son amant toutes les idées métaphysiques et de morale. Il se réveillait les yeux mouillés de larmes, et le vieux janséniste oubliait sa grâce efficace, et l'abbé de Saint-Cyran et Jansénius pour consoler un jeune homme qu'il croyait en péché mortel. Après leur lecture, après leur raisonnement, ils parlaient encore de leurs aventures. Et après en avoir inutilement parlé, ils lisaient ensemble ou séparément. L'esprit du jeune homme se fortifiait de plus en plus. Il saurait surtout aller très loin en mathématiques, sans les distractions que lui donnait Mademoiselle de Saint-Yves. Il lut des histoires, elles l'attristèrent. Le monde lui parut trop méchant et trop misérable.
En effet, l'histoire n'est que le tableau des crimes et des malheurs. La foule des hommes innocents et paisibles disparaît toujours sur ces vastes théâtres. Les personnages ne sont que des ambitieux pervers. Il semble que l'histoire ne plaise que comme la tragédie, qui languit si elle n'est animée par les passions, les forfaits et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du poignard comme Melpomène. Quoique l'histoire de France soit remplie d'horreur ainsi que toutes les autres, cependant, elle lui parut si dégoûtante dans ses commencements, si sèche dans son milieu, si petite enfin, même du temps de Henri IV, toujours si dépourvue de grands monuments, si étrangère à ces belles découvertes qui ont illustré d'autres nations, qu'il était obligé de lutter contre l'ennui pour lire tous ces détails de calamités obscures resserrées dans un coin du monde. Gordon pensait comme lui. Tous deux riaient de pitié quand il était question des souverains de Fezensac, de Fezensaguet et d'Astarac. Cette étude, en effet, ne serait bonne que pour leurs héritiers, s'ils en avaient. Les beaux siècles de la République romaine le rendirent quelque temps indifférent pour le reste de la terre. Le spectacle de Rome victorieuse et législatrice des nations occupait son âme entière. Il s'échauffait en contemplant ce peuple qui fut gouverné 700 ans par l'enthousiasme de la liberté et de la gloire. Ainsi se passaient les jours, les semaines, les mois. Et il se serait cru heureux dans le séjour du désespoir s'il n'avait point aimé. Son bon naturel s'attendrissait encore sur le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sur la sensible Kercabon. « Que penseront-ils » répétait-il souvent, « quand ils n'auront point de mes nouvelles ? Ils me croiront un ingrat ?» Cette idée le tourmentait. Il plaignait ceux qui l'aimaient, beaucoup plus qu'il ne se plaignait lui-même. Chapitre 11. Comment l'ingénu développe son génie. La lecture agrandit l'âme et un ami éclairé la console. Notre captif jouissait de ces deux avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant. « Je serais tenté, dit-il, de croire aux métamorphoses, car j'ai été changé de brute en homme. » Il se forma une bibliothèque choisie d'une partie de son argent dont on lui permettait de disposer. Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions. Voici ce qu'il écrivit sur l'histoire ancienne. Je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi, qu'elles ne se sont instruites que fort tard, qu'elles n'ont été occupées pendant des siècles que du moment présent qui coulait, très peu du passé et jamais de l'avenir. J'ai parcouru 500 ou 600 lieues du Canada. Je n'y ai pas trouvé un seul monument. Personne n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaïeul. Ne serait-ce pas là l'état naturel de l'homme ? L'espèce de ce continent-ci me paraît supérieure à celle de l'autre. Elle a augmenté son être depuis plusieurs siècles par les arts et par les connaissances. Est-ce parce qu'elle a de la barbe au menton et que Dieu a refusé la barbe aux Américains ? Je ne le crois pas, car je vois que les Chinois n'ont presque point de barbe et qu'ils cultivent les arts depuis plus de 5000 années. En effet, s'ils ont plus de 4000 ans d'annales, il faut bien que la nation ait été rassemblée et florissante depuis plus de 5 siècles. Une chose me frappe surtout dans cette ancienne histoire de la Chine, c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel. Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux. Pourquoi toutes les autres nations se sont-elles données des origines fabuleuses ? Les anciens chroniqueurs de l'histoire de France, qui ne sont pas fort anciens, font venir les Français d'un Francus, fils d'Hector. Les Romains se disaient issus d'un Phrygien, quoiqu'il n'y eût pas dans leur langue un seul mot qui eût le moindre rapport à la langue de Phrygie. Les dieux avaient habité 10 000 ans en Égypte et les diables en Scythie, où ils avaient engendré les Huns. Je ne vois, avant Thucydide, que des romans semblables aux Amadis et beaucoup moins amusants. Ce sont partout des apparitions, des oracles, des prodiges, des sortilèges, des métamorphoses, des songes expliqués et qui font la destinée des plus grands empires et des plus petits états. Ici, des bêtes qui parlent. Là, des bêtes qu'on adore, des dieux transformés en hommes et des hommes transformés en dieux. S'il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l'emblème de la vérité. J'aime les fables des philosophes. Je ris de celles des enfants. Et je hais celle des imposteurs.
Il tomba un jour sur une histoire de l'empereur Justinien. On y lisait que des apéteudes de Constantinople avaient donné, en très mauvais grec, un édit contre le plus grand capitaine du siècle, parce que ce héros avait prononcé ces paroles dans la chaleur de la conversation « La vérité luit de sa propre lumière, et on n'éclaire pas les esprits avec les flammes des bûchers. » Les apédeutes assurèrent que cette proposition était hérétique, sentant l'hérésie, et que l'axiome contraire était catholique, universel et grec. On n'éclaire les esprits qu'avec la flamme des bûchers, et la vérité ne saurait luire de sa propre lumière. Ces linostoles condamnèrent ainsi plusieurs discours du capitaine et donnèrent un édit. Quoi ? S'écria l'ingénu. Des édits rendus par ces gens-là ? Ce ne sont point des édits, répliqua Gordon, ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople et l'empereur tout le premier. C'était un sage prince qui avait su réduire les apédeutes clinostoles à ne pouvoir faire que du bien. Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contredire la patience des empereurs, ses prédécesseurs, en matière plus grave. « Il fit fort bien, dit l'ingénu. On doit soutenir les pastophores et les contenir. » Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. « Quoi ? Dit-il en lui-même. « J'ai consumé 50 ans à m'instruire et je crains de ne pouvoir atteindre au bon sens naturel de cet enfant presque sauvage. Je tremble d'avoir laborieusement fortifié des préjugés. Il n'écoute que la simple nature. » Le bonhomme avait quelques-uns de ses petits livres de critique, de ses brochures périodiques où des hommes incapables de rien produire dénigrent les productions des autres, où les visés insultent aux racines et les fédis aux fénelons. L'ingénu en parcourut quelques-uns. « Je les compare, disait-il, à certains moucherons qui vont déposer leurs œufs dans le derrière des plus beaux chevaux. Cela ne les empêche pas de courir ?» À peine les deux philosophes daignèrent-ils jeter les yeux sur ces excréments de la littérature. Ils eurent bientôt ensemble les éléments de l'astronomie. L'ingénu fit venir des sphères. Ce grand spectacle le ravissait. « Qu'il est dur, disait-il, de ne commencer à connaître le ciel que lorsque me ravit le droit de le contempler. » Jupiter et Saturne roulent dans ces espaces immenses. Des millions de soleils éclairent des milliards de mondes. Et dans le coin de terre où je suis jeté, il se trouve des êtres qui me privent, moi, être voyant et pensant, de tous ces mondes où ma vue pourrait atteindre et de celui où Dieu m'a fait naître. La lumière faite pour tout l'univers est perdue pour moi. On ne me la cachait pas dans l'horizon septentrional où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Sans vous, mon cher Gordon, je serai ici dans le néant. » Chapitre 12. Ce que l'ingénu pense des pièces de théâtre. Le jeune ingénu ressemblait à un de ces arbres vigoureux qui, nés dans un sol ingrat, étendent en peu de temps leurs racines et leurs branches quand ils sont transplantés dans un terrain favorable. Et il était bien extraordinaire qu'une prison fût ce terrain. Parmi les livres qui occupaient le loisir des deux captifs, il se trouva des poésies, des traductions de tragédies grecques, quelques pièces de théâtre français. Les vers qui parlaient d'amour portèrent à la fois dans l'âme de l'ingénu le plaisir et la douleur. Ils lui parlaient tous de sa chère Sainte-Yves. La fable des deux pigeons lui perça le cœur. Il était bien loin de pouvoir revenir à son colombier. Molière l'enchanta. Il lui faisait connaître les mœurs de Paris et du genre humain. « À laquelle de ces comédies donnez-vous la préférence ?»« Au Tartuffe, sans difficulté. »« Je pense comme vous, dit Gordon. C'est un Tartuffe qui m'a plongé dans ce cachot, et peut-être ce sont des Tartuffes qui ont fait votre malheur. »« Comment trouvez-vous ces tragédies grecques ?»« Bonne pour les Grecs, dit l'ingénu. » Mais quand il lut l'Iphigénie moderne, Phèdre, Andromaque, Athalie, il fut en extase. Il soupira, il versa des larmes. Il les sut par cœur sans avoir envie de les apprendre. Lisez Rodogune, lui dit Gordon. On dit que c'est le chef-d'œuvre du théâtre. Les autres pièces qui vous ont fait tant de plaisir sont peu de choses en comparaison. Le jeune homme, dès la première page, lui dit : Cela n'est pas du même auteur. À quoi le voyez-vous ? Je n'en sais rien encore, mais ces vers-là ne vont ni à mon oreille ni à mon cœur. Oh, ce n'est rien que des vers, répliqua Gordon. Et l'ingénieur répondit : Pourquoi donc en faire ?
Après avoir lu très attentivement la pièce, sans autre dessein que celui d'avoir du plaisir, il regardait son ami avec des yeux secs et étonnés et ne savait que dire. Enfin, pressé de rendre compte de ce qu'il avait senti, voici ce qu'il répondit. « Je n'ai guère entendu le commencement. J'ai été révoltée du milieu. La dernière scène m'a beaucoup émue, quoiqu'elle me paraisse peu vraisemblable. Je ne me suis intéressée pour personne et je n'ai pas retenu 20 vers, moi qui le retiens tous quand ils me plaisent. » Cette pièce passe pourtant pour la meilleure que nous ayons. Si c'est cela, répliqua-t-il, elle est peut-être comme bien des gens qui ne méritent pas leur place. Après tout, c'est ici une affaire du goût. Le mien ne doit pas encore avoir été formé. Je peux me tromper. Mais vous savez que je suis assez accoutumée à dire ce que je pense, ou plutôt ce que je sens. Je soupçonne qu'il y a souvent de l'illusion, de la mode, du caprice dans les jugements des hommes. J'ai parlé d'après ma nature. Il se peut que chez moi la nature soit très imparfaite, mais il se peut aussi qu'elle soit quelquefois peu consultée par la plupart des hommes. Alors, il récita des vers d'Iphigénie dont il était plein, et quoiqu'il ne déclamât pas bien, il y mit tant de vérité et d'onction qu'il fit pleurer le vieux janséniste. Il lut ensuite Cinna. Il ne pleura point, mais il admira. « Je suis fâché pourtant, dit-il, que cette brave fille reçoive tous les jours des rouleaux de l'homme qu'elle veut faire assassiner. Je lui dirai volontiers ce que j'ai lu dans les plaideurs. Hé, rendez donc l'argent !» Chapitre 13. La belle Saint-Yves va à Versailles. Pendant que notre infortuné s'éclairait plus qu'il ne se consolait, pendant que son génie, étouffé depuis si longtemps, se déployait avec tant de rapidité et de force, pendant que la nature qui se perfectionnait en lui le vengeait des outrages de la fortune, que devinrent monsieur le prieur et sa bonne sœur et la belle recluse Saint-Yves. Le premier mois, on fut inquiet, et au troisième, on fut plongé dans la douleur. Les fausses conjectures, les bruits mal fondés alarmèrent. Au bout de 6 mois, on le crut mort. Enfin, monsieur et mademoiselle Kercabon apprirent par une ancienne lettre qu'un garde du roi avait écrite en Bretagne qu'un jeune homme semblable à l'ingénu était arrivé un soir à Versailles, mais qu'il avait été enlevé pendant la nuit et que depuis ce temps, personne n'en avait entendu parler. « Hélas, dit mademoiselle Kercabon, notre neveu aura fait quelques sottises et se sera attiré de fâcheuses affaires. Il est jeune, il est bas breton. Il ne peut savoir comment on doit se comporter à la cour. Mon cher frère, je n'ai jamais vu Versailles ni Paris. Voilà une belle occasion. Nous retrouverons peut-être notre pauvre neveu. C'est le fils de notre frère. Notre devoir est de le secourir. Qui sait si nous ne pourrons point parvenir enfin à le faire sous-diacre quand la fougue de la jeunesse sera amortie. Il avait beaucoup de dispositions pour les sciences. Vous souvenez-vous comme il raisonnait sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament ? Nous sommes responsables de son âme. C'est nous qui l'avons fait baptiser. Sa chère maîtresse Saint-Yves passe les journées à pleurer. En vérité, il faut aller à Paris. S'il est caché dans quelques-unes de ces vieilles maisons de joie dont on m'a fait tant de récits, nous l'en tirerons. Le prieur fut touché des discours de sa sœur. Il alla trouver l'évêque de Saint-Malo, qui avait baptisé le Huron, et lui demanda sa protection et ses conseils. Le prélat approuva le voyage. Il donna au prieur des lettres de recommandation pour le père de la chaise, confesseur du roi, qui avait la première dignité du royaume, pour l'archevêque de Paris, Arlet, et pour l'évêque de Meaux, Bossuet. Enfin, le frère et la sœur partirent. Mais quand ils furent arrivés à Paris, ils se trouvèrent égarés comme dans un vaste labyrinthe sans fil et sans issue. Leur fortune était médiocre. Il leur fallait tous les jours des voitures pour aller à la découverte, et ils ne découvraient rien. Le prieur se présenta chez le révérend père de la chaise. Il était avec mademoiselle Dutronc et ne pouvait donner audience à des prieurs. Il alla à la porte de l'archevêque. Le prélat était enfermé avec la belle mademoiselle de Lesdiguières pour des affaires de l'église. Il courut à la maison de campagne de l'évêque de Meaux. Celui-ci examinait avec mademoiselle de Mauléon l'amour mystique de madame Guyon. Cependant, il parvint à se faire entendre de ces deux prélats. Tous deux lui déclarèrent qu'ils ne pouvaient se mêler de son neveu, attendu qu'il n'était pas sous-diacre.
Enfin, il vit le jésuite. Celui-ci le reçut à bras ouverts. Il protesta qu'il avait toujours eu pour lui une estime particulière, ne l'ayant jamais connu. Il jura que la société avait toujours été attachée aux Bas-Bretons. « Mais, dit-il, votre neveu n'aurait-il pas le malheur d'être huguenot ?»« Non, assurément, mon révérend père. » « Ne serait-il point janséniste ?»« Oh, je peux assurer à votre référence qu'à peine est-il chrétien. Il y a environ 11 mois que nous l'avons baptisé. » « Voilà qui est bien, voilà qui est bien. Nous aurons soin de lui. Votre bénéfice est-il considérable ?»« Oh, fort peu de choses, et mon neveu nous coûte beaucoup. » « Y a-t-il quelques jansénistes dans le voisinage ?»« Prenez bien garde, mon cher monsieur le prieur. Ils sont plus dangereux que les huguenots et les athées. » « Mon révérend père, nous n'en avons point. On ne sait ce qu'est que le jansénisme à Notre-Dame de la Montagne. »« Tant mieux. Allez, il n'y a rien que je ne fasse pour vous. » Il congédia affectueusement le prieur et n'y pensa plus. Le temps s'écoulait. Le prieur et la bonne sœur se désespéraient. Cependant, le maudit bailli pressait le mariage de son grand bonnet de fils avec la belle Sainte-Yve, qu'on avait fait sortir exprès du couvent. Elle aimait toujours son cher filleul autant qu'elle détestait le mari qu'on lui présentait. L'affront d'avoir été mise dans un couvent augmentait sa passion. L'ordre d'épouser le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets, la tendresse et l'horreur bouleversaient son âme. L'amour, comme on sait, est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune fille que l'amitié ne l'est dans un vieux prieur et dans une tante de 45 années passées. De plus, elle s'était bien formée dans son couvent par les romans qu'elle avait lus à la dérobée. La belle Sainte-Yves se souvenait de la lettre qu'un garde du corps avait écrite en Basse-Bretagne et dont on avait parlé dans la province. Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles, de se jeter aux pieds des ministres si son mari était en prison, comme on le disait, et d'obtenir justice pour lui. Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour on ne refuse rien à une jolie fille. Mais elle ne savait pas ce qu'il en coûtait. Sa résolution prise, elle était consolée, elle est tranquille, elle ne rebute plus son sot prétendu. Elle accueille le détestable beau-père, caresse son frère, répand l'allégresse dans la maison. Puis, le jour destiné à la cérémonie, elle part secrètement à 4 heures du matin avec ses petits présents de noces et tout ce qu'elle a pu rassembler. Ses mesures étaient si bien prises qu'elle était déjà à plus de 10 lieues quand on entra dans sa chambre vers le midi. La surprise et la consternation furent grandes. L'interrogant bailli fit ce jour la plus de questions qu'il n'en avait fait dans toute la semaine. Le mari resta plus sot qu'il ne l'avait jamais été. L'abbé de Saint-Yves, en colère, prit le parti de courir après sa sœur. Le bailli et son fils voulurent l'accompagner. Ainsi, la destinée conduisait à Paris presque tout ce canton de la Basse-Bretagne. La belle Saint-Yves se doutait bien qu'on la suivrait. Elle était à cheval. Elle s'informait adroitement des courriers s'il n'avait point rencontré un gros abbé, un énorme bailli et un jeune benêt qui couraient sur le chemin de Paris. Ayant appris au 3e jour qu'il n'était pas loin, elle prit une route différente et eut assez d'habileté et de bonheur pour arriver à Versailles tandis qu'on la cherchait inutilement dans Paris. Mais comment se conduire à Versailles ? Jeune, belle, sans conseil, sans appui, inconnue, exposée à tout, comment oser chercher un garde du roi ? Elle imagina de s'adresser à un jésuite du bas étage. Il y en avait pour toutes les conditions de la vie, comme Dieu, disait-il, a donné différentes nourritures aux diverses espèces d'animaux. Il avait donné au roi, son confesseur, que tous les solliciteurs de bénéfices appelaient le chef de l'église gallicane. Ensuite venaient les confesseurs des princesses. Les ministres n'en avaient point, ils n'étaient pas si sots. Il y avait les jésuites du grand commun et surtout les jésuites des femmes de chambre, par lesquels on savait les secrets des maîtresses. Et ce n'était point un petit emploi. La belle Sainte-Yves s'adressa à un de ces derniers, qui s'appelait le père tout à tous. Elle se confessa à lui, lui exposa ses aventures, son état, son danger, et le conjura de la loger chez quelque bonne dévote qui l'a mis à l'abri des tentations. Le père tout à tous l'introduisit chez la femme d'un officier du Gobelet, l'une de ses plus affidées pénitentes. Dès qu'elle y fut, elle s'empressa de gagner la confiance et l'amitié de cette femme. Elle s'informa du garde breton et le fit prier de venir chez elle.
ayant su de lui que son amant avait été enlevé après avoir parlé à un premier commis, elle court chez ce commis. La vue d'une belle femme l'adoucit, car ils font convenir que Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Le plumitif, attendri, lui avoua tout. « Votre amant est à la Bastille depuis près d'un an, et sans vous, il y serait peut-être toute sa vie. » La tendre Saint-Yves s'évanouit. Quand elle eut repris ses sens, le plumitif lui dit « Je suis sans crédit pour faire du bien. Tout mon pouvoir se borne à faire du mal quelquefois. Croyez-moi, allez chez Monsieur de Saint-Poinge, qui fait le bien et le mal, cousin et favori de Monseigneur de Louvois. Ce ministre a deux âmes. Monsieur de Saint-Poinge en est une, Madame du Belloy l'autre. Mais elle n'est pas à présent à Versailles. Il ne vous reste que de fléchir le protecteur que je vous indique. » La belle Saint-Yves, partagée entre un peu de joie et d'extrême douleur, entre quelque espérance et de triste crainte, poursuivie par son frère, adorant son amant, essuyant ses larmes et en versant encore, tremblante, affaiblie et reprenant courage, courut vite chez Monsieur de Saint-Poinge. Chapitre 14. Progrès de l'esprit de l'ingénue. L'ingénue faisait des progrès rapides dans les sciences, et surtout dans la science de l'homme. La cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage, presque autant qu'à la trempe de son âme. Car n'ayant rien appris dans son enfance, il n'avait point appris de préjugés. Son entendement n'ayant point été courbé par l'erreur, était demeuré dans toute sa rectitude. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point. Vos persécuteurs sont abominables, disait-il à son ami Gordon. Je vous plains d'être opprimé, mais je vous plains d'être janséniste. Toute secte me paraît le ralliement de l'erreur. Dites-moi s'il y a des sectes en géométrie. Non, mon cher enfant, lui dit en soupirant le bon Gordon. Tous les hommes sont d'accord sur la vérité quand elle est démontrée, mais ils sont trop partagés sur les vérités obscures. Dites sur les faussetés obscures. S'il y avait une seule vérité cachée dans vos amas d'arguments qu'on ressasse depuis tant de siècles, on l'aurait découverte sans doute, et l'univers aurait été d'accord au moins sur ce point-là. Si cette vérité était nécessaire comme le soleil l'est à la terre, elle serait brillante comme lui. C'est une absurdité, c'est un outrage au genre humain, c'est un attentat contre l'être infini et suprême de dire « il y a une vérité essentielle à l'homme et Dieu l'a cachée ». Tout ce que disait ce jeune homme, instruit par la nature, faisait une impression profonde sur l'esprit du vieux savant infortuné. « Serait-il bien vrai, s'écria-t-il, que je me fusse rendu malheureux pour des chimères? Je sais bien plus de mon malheur que de la grâce efficace. J'ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain, mais j'ai perdu la mienne. Ni saint Augustin, ni Prosper ne me tireront de l'abîme où je suis. » L'ingénue, livré à son caractère, dit enfin « Voulez-vous que je vous parle avec une confiance hardie? Ceux qui se font persécuter pour ces vaines disputes de l'école me semblent peu sages. Ceux qui persécutent me paraissent des monstres. » Les deux captifs étaient fort d'accord sur l'injustice de leur captivité. « Je suis 100 fois plus à plaindre que vous, disait l'ingénue. Je suis né libre comme l'air. J'avais deux vies, la liberté et l'objet de mon amour. On me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers sans en avoir la raison et sans pouvoir la demander. J'ai vécu Huron 20 ans. On dit que ce sont des barbares parce qu'ils se vengent de leurs ennemis, mais ils n'ont jamais opprimé leurs amis. À peine ai-je mis un pied en France que j'ai versé mon sang pour elle. J'ai peut-être sauvé une province et pour récompense, je suis engloutie dans ce tombeau des vivants où je serais mort de rage sans vous. Il n'y a donc point de loin dans ce pays. On condamne les hommes sans les entendre. Il n'en est pas ainsi en Angleterre. Ce n'était pas contre les Anglais que je devais me battre. » Ainsi, sa philosophie naissante ne pouvait dompter la nature outragée dans le premier de ses droits et laissait un libre cours à sa juste colère. Son compagnon ne le contredit point. L'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait et la philosophie ne le diminue pas. Il parlait aussi souvent de sa chère Saint-Yves que de morale et de métaphysique. Plus ses sentiments s'épuraient et plus il aimait. Il lut quelques romans nouveaux
Il en trouva peu qui lui peignissent la situation de son âme. Il sentait que son cœur allait toujours au-delà de ce qu'il lisait. Oh, disait-il, presque tous ces auteurs-là n'ont que de l'esprit et de l'art. Enfin, le bon prêtre janséniste devenait insensiblement le confident de sa tendresse. Il ne connaissait l'amour auparavant que comme un péché dont on s'accuse en confession. Il apprit à le connaître comme un sentiment aussi noble que tendre, qui peut élever l'âme autant que l'amollir, et produire même quelquefois des vertus. Enfin, pour dernier prodige, un Huron convertissait un janséniste. Chapitre 15. La belle Saint-Yves résiste à des propositions délicates. La belle Saint-Yves, plus tendre encore que son amant, alla donc chez Monsieur de Saint-Pouange, accompagnée de l'ami chez qui elle logeait, toutes deux cachées dans leur coiffe. La première chose qu'elle vit à la porte, ce fut l'abbé de Saint-Yves, son frère, qui en sortait. Elle fut intimidée. Mais la dévote amie la rassura. « C'est précisément parce qu'on a parlé contre vous qu'il faut que vous parliez. Soyez sûr que dans ce pays, les accusateurs ont toujours raison si on ne se hâte pas de les confondre. Votre présence, d'ailleurs, où je me trompe fort, fera plus d'effet que les paroles de votre frère. » Pour peu qu'on encourage une amante passionnée, elle est intrépide. La Saint-Yves se présente à l'audience. Sa jeunesse, ses charmes, ses yeux tendres, mouillés de quelques pleurs, attirèrent tous les regards. Chaque courtisan du sous-ministre oublia un moment l'idole du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le Saint-Pouange la fit entrer dans son cabinet. Elle parla avec attendrissement et avec grâce. Saint-Pouange se sentit touché. Elle tremblait. Il la rassura. « Revenez ce soir, lui dit-il. Vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle à loisir. Il y a ici trop de monde. On expédie les audiences trop rapidement. Il faut que je vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde. » Ensuite, ayant fait l'éloge de sa beauté et de ses sentiments, il lui recommanda de venir à 7 heures du soir. Elle n'y manqua pas. La dévote amie l'accompagna encore, mais elle se tint dans le salon et lut le pédagogue chrétien, pendant que le Saint-Pouange et la belle Saint-Yves étaient dans l'arrière-cabinet. « Croiriez-vous bien, mademoiselle, lui dit-il d'abord, que votre frère est venu me demander une lettre de cachet contre vous ? En vérité, j'en expédierais plutôt une pour vous le renvoyer en Basse-Bretagne. » « Hélas, monsieur, on est donc bien libéral de lettres de cachet comme des pensions. Je suis bien loin d'en demander une contre mon frère. J'ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je respecte la liberté des hommes. Je demande celle d'un homme que je vais épouser, d'un homme à qui le roi doit la conservation d'une province, qui peut le servir utilement, et qui est le fils d'un officier tué à son service. De quoi est-il accusé ? Comment a-t-on pu le traiter si cruellement sans l'entendre ? » Alors, le sous-ministre lui montra la lettre du jésuite espion et celle du perfide bailli. « Quoi ? Il y a de pareils monstres sur la terre et on veut me forcer ainsi à épouser le fils ridicule d'un homme ridicule et méchant ? Et c'est sur de pareils avis qu'on décide ici de la destinée des citoyens ? » Elle se jeta à genoux, elle demanda avec des sanglots la liberté du brave homme qui l'adorait. Ses charmes, dans cet état, parurent dans leur plus grand avantage. Elle était si belle que Saint-Pouange, perdant toute honte, lui insinua qu'elle réussirait si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu'elle réservait à son amant. La Saint-Yves, épouvantée et confuse, feignit longtemps de ne le pas entendre. Il fallut s'expliquer plus clairement. Un mot lâché d'abord avec retenue en produisait un plus fort, suivi d'un autre plus expressif. On offrit non seulement la révocation de la lettre de cachet, mais des récompenses, de l'argent, des honneurs, des établissements. Et plus on promettait, plus le désir de n'être pas refusé augmentait. La Saint-Yves pleurait, elle était suffoquée, à demi renversée sur un sofa, croyant à peine à ce qu'elle voyait, à ce qu'elle entendait. Le Saint-Pouange, à son tour, se jeta à ses genoux. Il n'était pas sans agrément et aurait pu ne pas effaroucher un cœur moins prévenu. Mais Saint-Yves adorait son amant et croyait que c'était un crime horrible de le trahir pour le servir.
Saint Poinge redoublait les prières et les promesses. Enfin, la tête lui tourna au point qu'il lui déclara que c'était les seuls moyens de tirer de sa prison l'homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si tendre. Cet étrange entretien se prolongeait. La dévote de l'antichambre, en lisant son pédagogue chrétien, disait « Mon Dieu, que peuvent-ils faire là depuis 2 heures ? Jamais Monseigneur de Saint-Poinge n'a donné une si longue audience. Peut-être qu'il a tout refusé à cette pauvre fille, puisqu'elle le prie encore. » Enfin, sa compagne sortit de l'arrière-cabinet, tout éperdue, sans pouvoir parler, réfléchissant profondément sur le caractère des grands et des demi-grands qui sacrifient si légèrement la liberté des hommes et l'honneur des femmes. Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin. Arrivée chez l'amie, elle éclata, elle lui confia tout. La dévote fit de grands signes de croix. « Ma chère amie, il faut consulter dès demain le Père tout à tous, notre directeur. Il a beaucoup de crédit auprès de Monsieur Saint-Poinge. Il confesse plusieurs servantes de sa maison. C'est un homme pieux et accommodant, qui dirige aussi des femmes de qualité. Abandonnez-vous à lui, c'est ainsi que j'en use. Je m'en suis toujours bien trouvée. Nous autres, pauvres femmes, nous avons besoin d'être conduites par un homme. » « Eh bien donc, ma chère amie, j'irai trouver demain le Père tout à tous. » Chapitre 16. Elle consulte un jésuite. Dès que la belle et désolée Saint-Yves fut avec son bon confesseur, elle lui confia qu'un homme puissant et voluptueux lui proposait de faire sortir de prison celui qu'elle devait épouser légitimement et qu'il demandait un grand prix de son service. Qu'elle avait une répugnance horrible pour une telle infidélité et que, s'il ne s'agissait que de sa propre vie, elle la sacrifierait plutôt que de succomber. « Voilà un abominable pécheur, lui dit le père tout à tous. Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain homme. C'est à coup sûr quelque janséniste. Je le dénoncerai à sa révérence le père de la chaise, qui le fera mettre dans le gîte où est à présent la chère personne que vous devez épouser. » La pauvre fille, après un long embarras et de grandes irrésolutions, lui nomma enfin Saint-Poinge. « Monseigneur de Saint-Poinge ! » s'écria le jésuite. « Ah, ma fille, c'est tout autre chose ! Il est cousin du plus grand ministre que nous ayons jamais eu, homme de bien, protecteur de la bonne cause, bon chrétien. Il ne peut avoir une telle pensée. Il faut que vous ayez mal entendu. » « Oh, mon père, je n'ai entendu que trop bien. Je suis perdue quoi que je fasse. Je n'ai que le choix du malheur et de la honte. Il faut que mon amant reste enseveli tout vivant ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. » Le père tout à tous tâcha de la calmer par ses douces paroles. « Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce mot « mon amant ». Il a quelque chose de mondain qui pourrait offenser Dieu. Dites « mon mari, car bien qu'il ne le soit pas encore, vous le regardez comme tel, et rien n'est plus honnête. Secondement, bien qu'il soit votre époux en idée, en espérance, il ne l'est pas en effet. Ainsi, vous ne commettriez pas un adultère, péché énorme qu'il nous faut toujours éviter autant qu'il est possible. Troisièmement, les actions ne sont pas d'une malice de culpe quand l'intention est pure. Et rien n'est plus pur que de délivrer votre mari. Quatrièmement, vous avez des exemples dans la Sainte Antiquité qui peuvent merveilleusement servir à votre conduite. Saint Augustin rapporte que, sous le proconsulat de Septimus à Saint-Dinus, en l'an 340 de notre salut, un pauvre homme, ne pouvant payer à César ce qui appartenait à César, fut condamné à la mort, comme il est juste, malgré la maxime « où il n'y a rien ». Le roi perd ses droits. Il s'agissait d'une livre d'or. Le condamné avait une femme en qui Dieu avait mis la beauté et la prudence. Un vieux Richard promit de donner une livre d'or et même plus à la dame, à condition qu'il commettrait avec elle le péché immonde. La dame ne crut point mal faire en sauvant la vie de son mari. Saint Augustin approuve fort sa généreuse résignation. Il est vrai que le vieux Richard la trompa, et peut-être même son mari n'en fut pas moins pendu, mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour sauver sa vie. Soyez sûre, ma fille, que quand un jésuite vous cite Saint-Augustin,
Il faut bien que ce saint ait pleinement raison. Je ne vous conseille rien, vous êtes sage. Il est à présumer que vous serez utile à votre mari. Monseigneur de Saint-Ponge est un honnête homme. Il ne vous trompera pas. C'est tout ce que je puis vous dire. Je prierai Dieu pour vous et j'espère que tout se passera à sa plus grande gloire. » La belle Saint-Yves, non moins effrayée des discours du jésuite que des propositions du sous-ministre, s'en retourna éperdue chez son amie. Elle était tentée de se délivrer par la mort de l'horreur de laisser dans une captivité affreuse l'amant qu'elle adorait et de la honte de le délivrer au prix de ce qu'elle avait de plus cher et qui ne devait appartenir qu'à cet amant infortuné. Chapitre 17. Elle succombe par vertu. Elle priait son amie de la tuer. Mais cette femme, non moins indulgente que le jésuite, lui parla plus clairement encore. « Hélas, dit-elle, les affaires ne font guère autrement dans cette cour si aimable, si galante et si renommée. Les places les plus médiocres et les plus considérables n'ont souvent été données qu'au prix qu'on exige de vous. Écoutez, vous m'avez inspiré de l'amitié et de la confiance. Je vous avouerai que, si j'avais été aussi difficile que vous l'êtes, mon mari ne jouirait pas du petit poste qui le fait vivre. Il le sait, et loin d'en être fâché, il voit en moi sa bienfaitrice, et il se regarde comme ma créature. Pensez-vous que tous ceux qui ont été à la tête des provinces ou même des armées aient dû leurs honneurs et leur fortune à leur seul vrai service ? Il en est qui en sont redevables à mesdames leurs femmes. Les dignités de la guerre ont été sollicitées par l'amour, et la place a été donnée au mari de la plus belle. Vous êtes dans une situation bien plus intéressante. Il s'agit de rendre votre amant au jour et de l'épouser. C'est un devoir sacré qu'il vous faut remplir. On n'a point blâmé les belles et les grandes dames dont je vous parle. On vous applaudira. On dira que vous ne vous êtes permis une faiblesse que par un excès de vertu. « Ah ! Mais quelle vertu ! » s'écria la belle Saint-Yves. « Quel labyrinthe d'iniquité ! Quel pays ! Et que j'apprends à connaître les hommes ! Un père de la chaise et un bailli ridicule font mettre mon amant en prison. Ma famille me persécute. On ne me tend la main dans mon désastre que pour me faire déshonorer. Un jésuite a perdu un brave homme, un autre jésuite veut me perdre. Je ne suis entourée que de pièges et je touche au moment de tomber dans la misère. Il faut que je me tue ou que je parle au roi. Je me jetterai à ses pieds sur son passage quand il ira à la messe ou à la comédie. On ne vous laissera pas approcher, lui dit sa bonne amie. Et si vous aviez le malheur de parler, Monse de Louvois et le révérend père de la chaise pourraient vous enterrer dans le fond d'un couvent pour le reste de vos jours. Tandis que cette brave personne augmentait ainsi les perplexités de cette âme désespérée et enfonçait le poignard dans son cœur, arrive un express de monsieur de Saint-Ponge avec une lettre en deux beaux pendants d'oreilles. Saint-Yves rejeta le tout en pleurant, mais l'ami s'en chargea. Dès que le messager fut parti, notre confidente lit la lettre dans laquelle on propose un petit souper aux deux amis pour le soir. Saint-Yves jure qu'elle n'ira point. La dévote veut lui essayer les deux boucles de diamants. Saint-Yves ne le put souffrir. Elle combattit la journée entière. Enfin, n'ayant vu que son amant, vaincu, entraîné, ne sachant où on l'amène, elle se laisse conduire au souper fatal. Rien n'avait pu la déterminer à se parer de ses pendants d'oreilles. La confidente les apporta, elle les lui ajusta malgré elle avant qu'on se mît à table. Saint-Yves était si confuse, si troublée, qu'elle se laissait tourmenter. Et le patron en tirait un augure très favorable. Vers la fin du repas, la confidente se retira discrètement. Le patron montra alors la révocation de la lettre de cachet, le brevet d'une gratification considérable, celui d'une compagnie, et n'épargna pas les promesses. « Ah !» lui dit Saint-Yves, « que je vous aimerais si vous ne vouliez pas être tant aimé. » Enfin, après une longue résistance, après des sanglots, des cris, des larmes, affaiblie du combat, éperdue, languissante, il fallut se rendre. Elle n'eut d'autre ressource que de se promettre de ne penser qu'à l'ingénu, tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la nécessité où elle était réduite. Chapitre 18. Elle délivre son amant et un janséniste.
Au point du jour, elle vole à Paris, munie de l'ordre du ministre. Il est difficile de peindre ce qui se passait dans son cœur pendant ce voyage. Qu'on imagine une âme vertueuse et noble, humiliée de son opprobre, enivrée de tendresse, déchirée des remords d'avoir trahi son amant, pénétrée du plaisir de délivrer ce qu'elle adore. Ses amertumes, ses combats, son succès partageaient toutes ses réflexions. Ce n'était plus cette fille simple dont une éducation provinciale avait rétréci les idées. L'amour et le malheur l'avaient formée. Le sentiment avait fait autant de progrès en elle que la raison en avait fait dans l'esprit de son amant infortuné. Les filles apprennent à sentir plus aisément que les hommes n'apprennent à penser. Son aventure était plus instructive que 4 ans au couvent. Son habit était d'une simplicité extrême. Elle voyait avec horreur les ajustements sous lesquels elle avait paru devant son funeste bienfaiteur. Elle avait laissé ses boucles de diamants à sa compagne sans même les regarder. Confuse et charmée, idolâtre de l'ingénue et se haïssant elle-même, elle arrive enfin à la porte. De cet affreux château palais de la vengeance qui renferma souvent le crime et l'innocence. Quand il fallut descendre du carrosse, les forces lui manquèrent. On l'aida. Elle entra, le cœur palpitant, les yeux humides, le front consterné. On la présente au gouverneur. Elle veut lui parler, sa voix expire. Elle montre son ordre en articulant à peine quelques paroles. Le gouverneur aimait son prisonnier. Il fut très aise de sa délivrance. Son cœur n'était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers, ses confrères qui, ne pensant qu'à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus sur leurs victimes et vivant du malheur d'autrui, se faisaient en secret une joie affreuse des larmes des infortunés. Il fait venir le prisonnier dans son appartement. Les deux amants se voient et tous deux s'évanouissent. La belle Saint-Yves resta longtemps sans mouvement et sans vie. L'autre rappela bientôt son courage. « C'est apparemment là, madame, votre femme, lui dit le gouverneur. Vous ne m'aviez point dit que vous fussiez mariée. On me mande que c'est à ces soins généreux que vous devez votre délivrance. »« Oh, je ne suis pas digne d'être sa femme, dit la belle Saint-Yves d'une voix tremblante. » Et elle retomba encore en faiblesse. Quand elle eut repris ses sens, elle présenta, toujours tremblante, le brevet de la gratification et la promesse par écrit d'une compagnie. L'ingénu, aussi étonné qu'attendri, s'éveillait d'un songe pour retomber dans un autre. « Pourquoi ai-je été enfermé ici? Comment avez-vous pu m'en tirer? Où sont les monstres qui m'y ont plongé? Vous êtes une divinité qui descendait du ciel à mon secours. » La belle Saint-Yves baissait la vue, regardait son amant, rougissait et détournait, le moment d'après, ses yeux mouillés de pleurs. Elle lui apprit enfin tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle avait éprouvé, excepté qu'elle aurait voulu se cacher pour jamais et ce qu'un autre que l'ingénu, plus accoutumé au monde et plus instruit des usages de la cour, aurait deviné plus facilement. Est-il possible qu'un misérable comme ce bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté? Ah, je vois bien qu'il en est des hommes comme des plus vils animaux. Tous peuvent nuire. Mais est-il possible qu'un moine, un jésuite confesseur du roi, ait contribué à mon infortune autant que ce bailli, sans que je puisse imaginer sous quel prétexte ce détestable fripon m'a persécuté? M'a-t-il fait passer pour un janséniste? Enfin, comment vous êtes-vous souvenu de moi? Je ne le méritais pas, je n'étais alors qu'un sauvage. Quoi, vous avez pu sans conseil, sans secours, entreprendre le voyage de Versailles? Vous y avez paru et on a brisé mes fers. Il est donc dans la beauté et dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les portes de fer et qui amollit les cœurs de bronze. À ce mot de vertu, des sanglots échappèrent à la belle Saint-Yves. Elle ne savait pas combien elle était vertueuse dans le crime qu'elle se reprochait. Son amant continua ainsi. « Ange qui avait rompu mes liens, si vous avez eu, ce que je ne comprends pas encore, assez de crédit pour me faire rendre justice, faites-la donc rendre aussi à un vieillard qui m'a le premier appris à penser comme vous m'avez appris à aimer. La calamité nous a unis. Je l'aime comme un père. Je ne peux vivre ni sans vous, ni sans lui. » Moi, que je sollicite le même homme qui... Oui, je veux tous vos devoirs
et je ne veux devoir jamais rien qu'à vous. Écrivez à cet homme puissant, comblez-moi de vos bienfaits. Achevez ce que vous avez commencé, achevez vos prodiges. » Elle sentait qu'elle devait faire tout ce que son amant exigeait. Elle voulut écrire, sa main ne pouvait obéir. Elle recommença 3 fois sa lettre, la déchira 3 fois. Elle écrivit enfin, et les 2 amants sortirent après avoir embrassé le vieux martyr de la grâce efficace. L'heureuse et désolée Sainte-Yves savait dans quelle maison logeait son frère. Elle y alla. Son amant prit un appartement dans la même maison. À peine y furent-ils arrivés que son protecteur lui envoya l'ordre de l'élargissement du bonhomme Gordon et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain. Ainsi, à chaque action honnête et généreuse qu'elle faisait, son déshonneur en était le prix. Elle regardait avec exécration cet usage de vendre le malheur et le bonheur des hommes. Elle donna l'ordre de l'élargissement à son amant et refusa le rendez-vous d'un bienfaiteur qu'elle ne pouvait plus voir sans expirer de douleur et de honte. L'ingénue ne pouvait se séparer d'elle que pour aller délivrer un ami. Il y vola, il remplit ce devoir en réfléchissant sur les étranges événements de ce monde et en admirant la vertu courageuse d'une jeune fille à qui 2 infortunés devaient plus que la vie. Chapitre 19. L'ingénue, la belle Sainte-Yves et leurs parents sont rassemblés. La généreuse et respectable infidèle était avec son frère l'abbé de Sainte-Yves, le bon prieur de la montagne et la dame de Kercabon. Tous étaient également étonnés, mais leur situation et leurs sentiments étaient bien différents. L'abbé de Sainte-Yves pleurait ses torts aux pieds de sa sœur, qui lui pardonnait. Le prieur et sa tendre sœur pleuraient aussi, mais de joie. Le vilain bailli et son insupportable fils ne troublaient point cette scène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de l'élargissement de leur ennemi. Ils couraient ensevelir dans leur province leurs sottises et leurs craintes. Les 4 personnages, agités de 100 mouvements divers, attendaient que le jeune homme revînt avec l'ami qu'il allait délivrer. L'abbé de Sainte-Yves n'osait lever les yeux devant sa sœur. La bonne Kercabon disait « Je reverrai donc mon cher neveu ?»« Vous le reverrez, » dit la charmante Sainte-Yves, « mais ce n'est plus le même homme. Son maintien, son ton, ses idées, son esprit, tout est changé. Il est devenu aussi respectable qu'il était naïf et étranger à tout. Il sera l'honneur et la consolation de votre famille. Que ne puis-je aussi être aussi l'honneur de la mienne ?»« Vous n'êtes point non plus la même, » dit le prieur. « Que vous est-il donc arrivé qui a fait en vous un si grand changement ?» Au milieu de cette conversation, l'ingénue arrive, tenant par la main son janséniste. La scène, alors, devint plus neuve et plus intéressante. Elle commença par les tendres embrassements de l'oncle et de la tante. L'abbé de Sainte-Yves se mettait presque à genoux de l'ingénue, qui n'était plus l'ingénue. Les 2 amants se parlaient par des regards qui exprimaient tous les sentiments dont ils étaient pénétrés. On voyait éclater la satisfaction, la reconnaissance sur le front de l'un. L'embarras était peint dans les yeux tendres et un peu égarés de l'autre. On était étonné qu'elle mêlât de la douceur à tant de joie. Le vieux Gordon devint en peu de temps cher à toute la famille. Il avait été malheureux avec le jeune prisonnier et c'était un grand titre. Il devait sa délivrance aux 2 amants, cela seul le réconciliait avec l'amour. L'âpreté de ses anciennes opinions sortait de son cœur. Il était changé en homme, ainsi que le Huron. Chacun raconta ses aventures avant le souper. Les 2 abbés, la tante, écoutaient comme des enfants qui entendent des histoires de revenants et comme des hommes qui s'intéressent tous à tant de désastres. « Hélas, » dit Gordon, « il y a peut-être plus de 500 personnes vertueuses qui sont à présent dans les mêmes fers que Mademoiselle de Sainte-Yves a brisées. Leurs malheurs sont inconnus. On trouve assez de mains qui frappent sur la foule des malheureux et rarement une secourable. » Cette réflexion si vraie augmentait sa sensibilité et sa reconnaissance. Tout redoublait le triomphe de la belle Sainte-Yves. On admirait la grandeur et la fermeté de son âme. L'admiration était mêlée de ce respect qu'on sent malgré soi pour une personne qu'on croit avoir du crédit à la cour. Mais l'abbé de Sainte-Yves disait quelquefois « Comment ma sœur a-t-elle pu faire pour obtenir si tôt ce crédit ?» On allait se mettre à table de très bonne heure. Voilà que la bonne amie de Versailles arrive sans rien savoir de tout ce qui s'était passé. Elle était en carrosse à 6 chevaux et on voit bien à qui appartenait l'équipage.
Elle entre avec l'air imposant d'une personne de cour qui a de grandes affaires, salue très légèrement la compagnie et tirant la belle Saint-Yves à l'écart. « Pourquoi vous faire tant attendre? Suivez-moi! Voilà vos diamants que vous aviez oubliés !» Elle ne put dire ces paroles si bas que l'ingénu ne les entendit. Il vit les diamants. Le frère fut interdit. L'oncle et la tante n'éprouvèrent qu'une surprise de bonnes gens qui n'avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune homme, qui était formé par un an de réflexion, en fit malgré lui et parut troublé un moment. Son amante s'en aperçut. Une pâleur mortelle se répandit sur son visage. Un frisson la saisit. Elle se soutenait à peine. « Oh, madame, dit-elle à la fatale amie, vous m'avez perdue, vous me donnez la mort. » Ces paroles percèrent le cœur de l'ingénu, mais il avait déjà appris à se posséder. Il ne les releva point, de peur d'inquiéter sa maîtresse devant son frère, mais il pâlit comme elle. Saint-Yves, éperdu de l'altération qu'elle apercevait sur le visage de son amant, entraîne cette femme hors de la chambre, dans un petit passage, jette les diamants à terre devant elle. « Ah, ce ne sont pas eux qui m'ont séduite, vous le savez, mais celui qui les a donnés ne me reverra jamais. » L'ami les ramassait et Saint-Yves ajoutait « Qu'ils les reprennent ou qu'ils vous les donnent. Allez, ne me rendez plus honteuse de moi-même. » L'ambassadrice enfin s'en retourna, ne pouvant comprendre les remords dont elle était témoin. La belle Saint-Yves, oppressée, éprouvant dans son corps une révolution qui la suffoquait, fut obligée de se mettre au lit. Mais pour n'alarmer personne, elle ne parla point de ce qu'elle souffrait et, ne prétextant que sa lassitude, elle demanda la permission de prendre du repos. Mais ce fut après avoir rassuré la compagnie par des paroles consolantes et flatteuses et jeté sur son amant des regards qui portaient le feu dans son âme. Le souper, qu'elle n'animait pas, fut triste dans le commencement, mais de cette tristesse intéressante qui fournit des conversations attachantes et utiles, si supérieure à la frivole joie qu'on recherche et qui n'est d'ordinaire qu'un bruit importun. Gordon fit en peu de mots l'histoire du jansénisme et du molinisme, des persécutions dont un parti accablait l'autre et de l'opiniâtreté de tous les deux. L'ingénu en fit la critique et plaignit les hommes qui, non contents de tant de discordes que leurs intérêts allument, se font de nouveaux mots pour des intérêts chimériques et pour des absurdités inintelligibles. Gordon racontait, l'autre jugeait, les convives écoutaient avec émotion et s'éclairaient d'une lumière nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes et de la brièveté de la vie. On remarqua que chaque profession a un vice et un danger qui lui sont attachés et que, depuis le prince jusqu'au dernier des mendiants, tout semble accuser la nature. Comment se trouve-t-il tant d'hommes qui, pour si peu d'argent, se font les persécuteurs, les satellites, les bourreaux des autres hommes? Avec quelle indifférence inhumaine un homme en place signe la destruction d'une famille, et avec quelle joie plus barbare des mercenaires l'exécutent? J'ai vu dans ma jeunesse, dit le bonhomme Gordon, un parent du maréchal de Marillac, qui, étant poursuivi dans sa province pour la cause de cet illustre malheureux, se cachait dans Paris sous un nom supposé. C'était un vieillard de 72 ans. Sa femme, qui l'accompagnait, était à peu près de son âge. Ils avaient eu un fils libertin qui, à l'âge de 14 ans, s'était enfui de la maison paternelle. Devenu soldat puis déserteur, il avait passé par tous les degrés de la débauche et de la misère. Enfin, ayant pris un nom de terre, il était dans les gardes du cardinal de Richelieu, car ce prêtre ainsi que Mazarin avaient des gardes. Il avait obtenu un bâton d'exempt dans cette compagnie de satellites. Cet aventurier fut chargé d'arrêter le vieillard et son épouse et s'en acquitta avec toute la dureté d'un homme qui voulait plaire à son maître. Comme il les conduisait, il entendit ses deux victimes déplorer la longue suite des malheurs qu'ils avaient éprouvés depuis leur berceau. Le père et la mère, parmi comptaient leurs plus grandes infortunes, les égarements et la perte de leur fils. Il les reconnut. Il ne les conduisit pas moins en prison en les assurant que son éminence devait être servie de préférence à tout. Son éminence récompensa son zèle. J'ai vu un espion du père de Lachaise trahir son propre frère dans l'espérance d'un petit bénéfice qu'il n'eut point. Et je l'ai vu mourir, non de remords, mais de douleur d'avoir été trompé par le jésuite. L'emploi de confesseur que j'ai longtemps exercé m'a fait connaître l'intérieur des familles.
Je n'en ai guère vu qui ne fussent plongés dans l'amertume, tandis qu'au dehors, couvertes du masque du bonheur, elles paraissent nager dans la joie. Et j'ai toujours remarqué que les grands chagrins étaient le fruit de notre cupidité effrénée. Pour moi, dit l'ingénu, je pense qu'une âme noble, reconnaissante et sensible peut vivre heureuse, et je compte bien jouir d'une félicité sans mélange avec la belle et généreuse Sainte-Yves. Car je me flatte, ajouta-t-il en s'adressant à son frère avec le sourire de l'amitié, que vous ne me refuserez pas comme l'année passée et que je m'y prendrai d'une manière plus décente. L'abbé se confondit en excuses du passé et en protestation d'un attachement éternel. L'oncle Kercabon dit que ce serait le plus beau jour de sa vie. La bonne tante, en s'extasiant et en pleurant de joie, s'écriait « Je vous l'avais bien dit que vous ne seriez jamais sous-diacre. Ce sacrement-ci vaut mieux que l'autre. Plût à Dieu que j'en eusse été honorée, mais je vous servirai de mère. » Alors ce fut à qui renchérirait sur les louanges de la tendre Sainte-Yves. Son amant avait le cœur trop plein de ce qu'elle avait fait pour lui. Il l'aimait trop pour que l'aventure des diamants eût fait sur son cœur une impression dominante. Mais ces mots qu'il avait trop entendus, « Vous me donnez la mort », l'effraya encore en secret et corrompait toute sa joie tandis que les éloges de sa belle maîtresse augmentaient encore son amour. Enfin, on n'était plus occupé que d'elle, on ne parlait plus que du bonheur que ces deux amants méritaient. On s'arrangeait pour vivre tous ensemble dans Paris, on faisait des projets de fortune et d'agrandissement. On se livrait à toutes ces espérances que la moindre lueur de félicité fait naître si aisément. Mais l'ingénue, dans le fond de son cœur, éprouvait un sentiment secret qui repoussait cette illusion. Il relisait ses promesses signées Saint-Poinge et les brevets signés Louvois. On lui dépeignit ces deux hommes tels qu'ils étaient ou qu'on les croyait être. Chacun parla des ministres et du ministère avec cette liberté de table regardée en France comme la plus précieuse liberté qu'on puisse goûter sur la terre. « Si j'étais roi de France, dit l'ingénue, voici le ministre de la guerre que je choisirais. Je voudrais un homme de la plus haute naissance, par la raison qu'il donne des ordres à la noblesse. J'exigerais qu'il eût été lui-même officier, qu'il eût passé par tous les grades, qu'il fût au moins lieutenant général des armées et digne d'être maréchal de France. Car n'est-il pas nécessaire qu'il ait servi lui-même pour mieux connaître les détails du service ? Et les officiers n'obéiront-ils pas avec 100 fois plus d'allégresse à un homme de guerre qui aura comme eux signalé son courage qu'à un homme de cabinet qui ne peut que deviner tout au plus les opérations d'une campagne, quelque esprit qu'il puisse avoir ? Je ne serais pas fâché que mon ministre fût généreux, quoique mon garde du trésor royal en fût quelquefois un peu embarrassé. J'aimerais qu'il eût un travail facile et que même il se distinguât par cette gaieté d'esprit, partage d'un homme supérieur aux affaires qui plaît tant à la nation et qui rend tous les devoirs moins pénibles. Il désirait qu'un ministre ce caractère parce qu'il avait toujours remarqué que cette belle humeur est incompatible avec la cruauté. Mons de Louvois n'aurait peut-être pas été satisfait des souhaits de l'ingénu. Il avait une autre sorte de mérite. Mais pendant qu'on était à table, la maladie de cette fille malheureuse prenait un caractère funeste. Son sang s'était allumé, une fièvre dévorante s'était déclarée. Elle souffrait et ne se plaignait point, attentive à ne pas troubler la joie des convives. Son frère, sachant qu'elle ne dormait pas, alla au chevet de son lit. Il fut surpris de l'état où elle était. Tout le monde accourut. L'amant se présentait à la suite du frère. Il était sans doute le plus alarmé et le plus attendri de tous. Mais il avait appris à joindre la discrétion à tous les dons heureux que la nature lui avait prodigués et le sentiment prompt des bienséances commençait à dominer dans lui. On fit venir aussitôt un médecin du voisinage. C'était un de ceux qui visitent leurs malades en courant, qui confondent la maladie qu'ils viennent de voir avec celle qu'ils voient, qui mettent une pratique aveugle dans une science à laquelle toute la maturité d'un discernement sain et réfléchi ne peut ôter son incertitude et ses dangers. Il redoubla le mal par sa précipitation à prescrire un remède alors à la mode. De la mode jusque dans la médecine, cette manie était trop commune dans Paris. La triste Sainte-Yves contribuait encore plus que son médecin à rendre sa maladie dangereuse. Son âme tuait son corps. La foule des pensées qui l'agitaient portait dans ses veines un poison plus dangereux que celui de la fièvre la plus brûlante. Chapitre 20. La belle Sainte-Yves meurt
et ce qui en arrive. On appela un autre médecin. Celui-ci, au lieu d'aider la nature de la laisser agir dans une jeune personne dans qui tous les organes rappelaient la vie, ne fut occupé que de contrecarrer son confrère. La maladie devint mortelle en 2 jours. Le cerveau, qu'on croit le siège de l'entendement, fut attaqué aussi violemment que le cœur qui est, dit-on, le siège des passions. Mais quelle mécanique incompréhensible a soumis les organes aux sentiments et à la pensée ? Comment une seule idée douloureuse dérange-t-elle le cours du sang ? Et comment le sang, à son tour, porte-t-il ses irrégularités dans l'entendement humain ? Quel est ce fluide inconnu, et dont l'existence est certaine, qui, plus prompt, plus actif que la lumière, vole en moins d'un clin d'œil dans tous les canaux de la vie, produit les sensations, la mémoire, la tristesse ou la joie, la raison ou le vertige, rappelle avec horreur ce qu'on voudrait oublier, et fait d'un animal pensant ou un objet d'admiration ou un sujet de pitié et de larmes. C'était là ce que disait le bon Gordon, et cette réflexion, si naturelle que rarement font les hommes, ne dérobait rien à son attendrissement. Car il n'était pas de ces malheureux philosophes qui s'efforcent d'être insensibles. Il était touché du sort de cette jeune fille, comme un père qui voit mourir lentement son enfant chéri. L'abbé de Saint-Yves était désespéré. Le prieur et sa sœur répandaient des ruisseaux de larmes. Mais qui pourrait peindre l'état de son amant ? Nulle langue n'a des expressions qui répondent à ce comble des douleurs. Les langues sont trop imparfaites. La tante, presque sans vie, tenait la tête de la mourante dans ses faibles bras. Son frère était à genoux au pied du lit. Son amant pressait sa main, qu'il baignait de pleurs, et éclatait en sanglots. Il la nommait sa bienfaitrice, son espérance, sa vie, la moitié de lui-même, sa maîtresse, son épouse. À ce mot d'épouse, elle soupira, le regarda avec une tendresse inexprimable, et soudain jeta un cri d'horreur. Puis, dans un de ces intervalles où l'accablement et l'oppression des sens et les souffrances suspendues laissent à l'âme sa liberté et sa force, elle s'écria « Moi, votre épouse ! Ah, cher amant, ce nom, ce bonheur, ce prix n'était plus fait pour moi. Je meurs et je le mérite. Ô Dieu de mon cœur, ô vous que j'ai sacrifié à des démons infernaux, c'en est fait, je suis puni, vivez heureux. » Ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être comprises, mais elles portaient dans tous les cœurs l'effroi et l'attendrissement. Elle eut le courage de s'expliquer. Chaque mot fit frémir d'étonnement, de douleur et de pitié tous les assistants. Tous se réunissaient à détester l'homme puissant qui n'avait réparé une horrible injustice que par un crime et qui avait forcé la plus respectable innocence à être sa complice. « Qui ? Vous coupable ?» lui dit son amant. « Non, vous ne l'êtes pas. Le crime ne peut être dans le cœur. Le vôtre est à la vertu et à moi. » Il confirmait ce sentiment par des paroles qui semblaient ramener à la vie la belle Saint-Yves. Elle se sentit consolée et s'étonnait d'être aimée encore. Le vieux Gordon l'aurait condamnée dans le temps qu'il n'était que janséniste, mais, étant devenu sage, il l'estimait et il pleurait. Au milieu de tant de larmes et de craintes, pendant que le danger de cette fille si chère remplissait tous les cœurs, que tout était consterné, on annonce un courrier de la cour. Un courrier ? Et de qui et pourquoi ? C'était de la part du confesseur du roi pour le prieur de la montagne. Ce n'était pas le père de la chaise qui écrivait, c'était le frère Vad Bled, son valet de chambre, homme très important dans ces temps-là, lui qui mandait aux archevêques les volontés du révérend père, lui qui donnait audience, lui qui promettait des bénéfices, lui qui faisait quelquefois expédier des lettres de cachet. Il écrivait à l'abbé de la Montagne que sa révérence était informée des aventures de son neveu, que sa prison n'était qu'une méprise, que ses petites disgrâces arrivaient fréquemment, qu'il ne fallait pas y faire attention et qu'enfin, il convenait que lui, prieur, vint lui présenter son neveu le lendemain, qu'il venait amener avec lui le bonhomme Gordon, que lui, frère Vad Bled, les introduirait chez sa révérence et chez Mons de Louvois, lequel leur dirait un mot dans son antichambre. Il ajoutait que l'histoire de l'ingénu et son combat contre les Anglais avait été contée au roi, que sûrement le roi daignerait le remarquer quand il passerait dans la galerie et peut-être même lui ferait un signe de tête.
La lettre finissait par l'espérance dont on le flattait que toutes les dames de la cour s'empresseraient de faire venir son neveu à leur toilette, que plusieurs d'entre elles lui diraient « Bonjour, monsieur l'ingénu !» et qu'assurément, il serait question de lui au souper du roi. La lettre était signée « Votre affectionné, Vadbled, frère jésuite. » Le prieur, ayant lu la lettre tout haut, son neveu furieux et commandant un moment à sa colère, ne dit rien au porteur. Mais se tournant vers le compagnon de ses infortunes, il lui demanda ce qu'il pensait de ce style. Gordon lui répondit « C'est donc ainsi qu'on traite les hommes, comme des singes. On les bat et on les fait danser. » L'ingénu, reprenant son caractère, qui revient toujours dans les grands mouvements de l'âme, déchira la lettre par morceaux et les jeta au nez du courrier. « Voilà ma réponse !» Son oncle, épouvanté, crut voir le tonnerre et 20 lettres de cachet tomber sur lui. Il alla vite écrire et excuser comme il put ce qu'il prenait pour l'emportement d'un jeune homme et qui était la saillie d'une grande âme. Mais des soins plus douloureux s'emparaient de tous les cœurs. La belle et infortunée Sainte-Yves sentait déjà sa fin approcher. Elle était dans le calme, mais dans ce calme affreux de la nature affaissée qui n'a plus la force de combattre. « Oh, mon cher amant, dit-elle d'une voix tombante, la mort me punit de ma faiblesse. Mais j'expire avec la consolation de vous savoir libre. Je vous ai adoré en vous trahissant et je vous adore en vous disant un éternel adieu. » Elle ne se parait pas d'une vaine fermeté. Elle ne concevait pas cette misérable gloire de faire dire à quelques voisins « Elle est morte avec courage ». Qui peut perdre à 20 ans son amant, sa vie et ce qu'on appelle l'honneur sans regret et sans déchirement? Elle sentait toute l'horreur de son état et le faisait sentir par ses mots et par ses regards mourants qui parlent avec tant d'empire. Enfin, elle pleurait comme les autres dans les moments où elle eut la force de pleurer. Que d'autres cherchent à louer les morts fastueuses de ceux qui entrent dans la destruction avec insensibilité, c'est le sort de tous les animaux. Nous ne mourrons comme eux avec indifférence que quand l'âge ou la maladie nous rend semblables à eux par la stupidité de nos organes. Quiconque fait une grande perte a de grands regrets. S'il les étouffe, c'est qu'il porte la vanité jusque dans les bras de la mort. Lorsque le moment fatal fut arrivé, tous les assistants jetèrent des larmes et des cris. L'ingénu perdit l'usage de ses sens. Les âmes fortes ont des sentiments bien plus violents que les autres quand elles sont tendres. Le bon Gordon le connaissait assez pour craindre qu'étant revenu à lui, il ne se donnât la mort. On écarta toutes les armes. Le malheureux jeune homme s'en aperçut. Il dit à ses parents et à Gordon, sans pleurer, sans gémir, sans s'émouvoir, « Pensez-vous donc qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui ait le droit et le pouvoir de m'empêcher de finir ma vie ?» Gordon se garda bien de lui étaler ces lieux communs fastidieux par lesquels on essaie de prouver qu'il n'est pas permis d'user de sa liberté pour cesser d'être quand on est horriblement mal, qu'il ne faut pas sortir de sa maison quand on ne peut plus y demeurer, que l'homme est sur la terre comme un soldat à son poste, comme s'il importait à l'être des êtres que l'assemblage de quelques parties de matière fût dans un lieu ou dans un autre. Raison impuissante qu'un désespoir ferme et réfléchi dédaigne d'écouter et auquel Caton ne répondit que par un coup de poignard. Le morne et terrible silence de l'ingénu, ses yeux sombres, ses lèvres tremblantes, les frémissements de son corps portaient dans l'âme de tous ceux qui le regardaient ce mélange de compassion et d'effroi qui enchaîne toutes les puissances de l'âme, qui exclut tout discours et qui ne se manifeste que par des mots entrecoupés. L'hôtesse et sa famille étaient accourues. On tremblait de son désespoir, on le gardait à vue, on observait tous ses mouvements. Déjà, le corps glacé de la belle Sainte-Yves avait été porté dans une salle basse, loin des yeux de son amant, qui semblait la chercher encore, quoiqu'il ne fût plus en état de rien voir. Au milieu de ce spectacle de la mort, tandis que le corps est exposé à la porte de la maison, que deux prêtres à côté d'un bénitier récitent des prières d'un air distrait, que des passants jettent quelques gouttes d'eau bénite sur la bière par oisiveté, que d'autres poursuivent leur chemin avec indifférence, que les parents pleurent et qu'un aimant est prêt à s'arracher la vie, le Saint-Pouange arrive avec l'ami de Versailles.
Son goût passager, n'ayant été satisfait qu'une fois, était devenu de l'amour. Les refus de ses bienfaits l'avaient piqué. Le père de la chaise n'aurait jamais pensé à venir dans cette maison. Mais Sainte-Poinge, ayant tous les jours devant les yeux l'image de la belle Sainte-Yves, brûlant d'assouvir une passion qui par une seule jouissance avait enfoncé dans son cœur l'aiguillon des désirs, ne balança pas à venir lui-même chercher celle qu'il n'aurait peut-être pas voulu revoir trois fois si elle était venue d'elle-même. Il descend de carrosse. Le premier objet qui se présente à lui est une bière. Il détourne les yeux avec ce simple dégoût d'un homme nourri dans les plaisirs, qui pense qu'on lui doit épargner tout spectacle qui pourrait le ramener à la contemplation de la misère humaine. Il veut monter. La femme de Versailles demande par curiosité qui on va enterrer. On prononce le nom de Mademoiselle de Saint-Yves. À ce nom, elle pâlit et poussa un cri affreux. Saint-Poinge se retourne. La surprise et la douleur saisissent son âme. Le bon Gordon était là, les yeux remplis de larmes. Il interrompt ses tristes prières pour apprendre à l'homme de cour toute cette horrible catastrophe. Il lui parle avec cet empire que donne la douleur et la vertu. Saint-Poinge n'était point né méchant. Le torrent des affaires et des amusements avait emporté son âme, qui ne se connaissait pas encore. Il ne touchait point à la vieillesse qui endurcit d'ordinaire les cœurs des ministres. Il écoutait Gordon les yeux baissés et il en essuyait quelques pleurs qu'il était étonné de répandre. Il connut le repentir. « Je veux voir absolument, dit-il, cet homme extraordinaire dont vous m'avez parlé. Il m'attendrait presque autant que cette innocente victime dont j'ai causé la mort. » Gordon le suit jusqu'à la chambre où le prieur, la Kercabon, l'abbé de Saint-Yves et quelques voisins rappelaient à la vie le jeune homme retombé en défaillance. « J'ai fait votre malheur, lui dit le sous-ministre. J'emploierai ma vie à le réparer. » La première idée qui vint à l'ingénu fut de le tuer et de se tuer lui-même après. Rien n'était plus à sa place, mais il était sans armes, éveillé de près. Saint-Poinge ne se rebuta point des refus accompagnés du reproche, du mépris et de l'horreur qu'il avait mérité et qu'on lui prodigua. Le temps adoucit tout. Mons de Louvois vint enfin à bout de faire un excellent officier de l'ingénu qui apparut sous un autre nom à Paris et dans les armées, avec l'approbation de tous les honnêtes gens et qui a été à la fois un guerrier et un philosophe intrépide. Il ne parlait jamais de cette aventure sans gémir. Et cependant, sa consolation était d'en parler. Il chérit la mémoire de la tendre Saint-Yves jusqu'au dernier moment de sa vie. L'abbé de Saint-Yves et le prieur eurent chacun un bon bénéfice. La bonne Kercabon aima mieux voir son neveu dans les honneurs militaires que dans le sous-diaconat. La dévote de Versailles garda les boucles de diamants et reçut encore un beau présent. Le père tout à tous eut des boîtes de chocolat, de café, de sucre candi, de citron confit, avec les méditations du révérend père Croiset et la fleur des saints, reliées en maroquin. Le bon Gordon vécut avec l'ingénu jusqu'à sa mort, dans la plus intime amitié. Il eut un bénéfice aussi, et oublia pour jamais la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit pour sa devise « Malheur est bon à quelque chose ». Combien d'honnêtes gens dans le monde ont pu dire « Malheur n'est bon à rien ».